Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au Stade Olympique de Saint-Paul, théâtre hier soir de la grande cérémonie d'ouverture des 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Et depuis ce matin, très tôt ce matin, scène principale de la première journée d'athlétisme et forcément des premières finales, des finales d'athlétisme que nous vous ferons vivre en direct donc du Stade Olympique de Saint-Paul. Pour commenter ces finales avec moi, nous avons choisi un fin connaisseur, un très fin connaisseur de l'athlétisme en général, un ex-confrère connu pour être l'organisateur en chef de la course rose Odyssea, Luc Bisouer. Luc, bonjour. Bonjour Johnny. Alors Luc, un élément à prendre en compte cet après-midi, c'est le vent, presque épouvantable, on a envie de dire. Oui, épouvantable, hein. Il a été mesuré au-delà de 4 mètres secondes. Je dirais qu'il y a les épreuves de voile qui vont commencer cette semaine à côté au port, et je crois qu'avec le vent qu'il y a aujourd'hui, elle serait annulée parce qu'il y en aurait trop. Donc ça va être un élément important qui va être un élément contraire malheureusement pour les coureurs du 100 mètres tout à l'heure, puisque le vent, la piste ne peut pas être retournée pour le 100 mètres. Et puis pour les autres courses, pour le demi-fond, ça va être un élément tactique, et puis pour le 400 mètres également. Et puis pour les concours comme le triple saut qui vient de commencer, ça va être quelque chose d'important également. On va dire que le vent va forcément pousser un peu les triples sauteurs. Avec nous également, il est au plus près des athlètes, Pascal Taillamé. Bonjour Pascal. Alors du vent, on en parle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous êtes tout près du fameux anémomètre. Et oui Johnny, bonjour à tous. Effectivement, tout près d'un anémomètre, l'appareil qui donne cette distance du vent, avec là le premier essai pour le réunionnais Olivier Huette sur ce triple saut. On sait qu'il va être mesuré, me semble-t-il, oui, exactement. Donc je vous le disais, hein, un vent important, très important. D'ailleurs, là, le saut est avec 3 mètres secondes, le vent donc que Huette a eu pour ce premier saut, on va dire. À vous dire également que les premiers essais ont eu lieu pour tous les compétiteurs. Drézé, lui, a mordu. Et pour l'instant, eh bien, c'est un Mauricien, Jonathan Drac, avec 17,05 m, qui réalise la bonne opération. Mais on est au tout début du concours, avec lui quand même un vent de 3,60 m, ce qui veut dire que, eh bien, à chaque fois, s'il y a un record, il ne sera pas homologué au regard de ce vent, Johnny. Merci pour l'info, Pascal, avec un nouveau saut mordu. Vous parlez, mon cher Pascal, de ce saut de Jonathan Drac, 17,05 m au premier saut, au premier essai. Mon cher Luc, c'est déjà très très fort. Oui, 17,05 m, alors avec 3,60 m, ce que Pascal disait, c'est que si le vent est supérieur à 2 mètres par seconde, la performance n'est pas homologable. Donc là, avec 17,05 m, il aurait battu le record de national de l'île Maurice, il ne sera pas homologué. Mais 17,05 m, c'est très très fort. Actuellement, avec 17,05 m, pour vous situer, il serait numéro 1 français du triple saut. Un concours qui a très très mal débuté pour le Mauricien Giovanni Lindor. Il s'est blessé lors de son premier essai. Il est rentré directement au vestiaire. On ne sait pas s'il va revenir, à mon avis non, puisque en ce moment, sur la ligne de départ, eh bien, Stéphane Grézé, représentant de La Réunion, médaillé d'or en titre aux Seychelles en 2011 avec un saut, je crois, qui était mesuré à 16 mètres quelques. Nous allons de suite, le voici, Stéphane Grézé, qui avait mordu son premier essai. Stéphane Grézé qui avait gagné le concours en 2011 aux Seychelles avec un saut à 16,24 m. Donc pour l'instant, Luc, très très loin du premier essai réussi par le Mauricien Jonathan Drac. Alors Stéphane, cette année, a réalisé 15,70 m. Il a été champion national, c'est-à-dire le niveau 2 national. Mais je pense qu'avec avec son public, c'est un compétiteur, Stéphane, et je pense qu'il va faire plus de 16 mètres aujourd'hui. Alors le problème, ça va être le vent. Il a mordu son premier essai. Il faut pouvoir régler ses marques, ce qu'a fait de belle façon le Mauricien. Donc on va voir. Stéphane Grézé pour son deuxième essai. Ça va être mordu. Drapeau rouge. Saut mordu, décidément il a un petit peu de mal dans son concours là, Stéphane Grézé, deux premiers sauts mordus. Alors forcément le vent peut être également l'élément perturbateur pour notre ami Stéphane Grézé. Mais pour l'instant c'est zéro pointé pour Stéphane Grézé. Oui, c'est la prise de marque, la course d'élan, c'est dans les sauts horizontaux et même verticaux, c'est quelque chose de très très important. Et ce qui a été impressionnant tout à l'heure, c'est ce premier essai du Mauricien. Alors c'est pas un inconnu, hein. Il vient de faire 16,96 m dans des conditions normales, c'est-à-dire homologables à Castres, ce qui lui a permis de réaliser les minima au championnat du monde à Pékin, donc il représentera l'île Maurice à Pékin. Et pour vous dire, 17 mètres,
sur un concours de qualification sur un championnat du monde avec 17 mètres, il va en finale. C'est-à-dire qu'il est invité au, il était invité à la table des 12 meilleurs mondiaux sur une finale. Il faut préciser que Jonathan Drake est un athlète mauricien qui est licencié dans un club métropolitain, c'est bien ça? Oui, le CA Balma, où il y a également un excellent sauteur en longueur français. Et d'ailleurs, Jonathan, on le retrouvera en finale du saut en longueur parce qu'il a sauté 7,80 m cette année. Et vraiment, il est impressionnant. On va suivre son deuxième essai. La planche est parfaite. On va attendre le deuxième essai du Mauricien Jonathan Drake. C'est allé loin encore. C'est un petit peu écrasé peut-être au deuxième appui. Pascal va nous donner le vent peut-être en attendant. 5 mètres, effectivement, avec un vent de 5,40 m. Donc on est effectivement le vent qui là souffle de façon déchaînée, on va dire. Ça souffle, c'est énorme. Un vent qui a aussi sacrément perturbé les séries, comme vous le disiez en préambule, qui avait sacrément perturbé les séries du 100 mètres de dames ce matin. Le saut de Drake, belle envergure en tout cas. À 16,84 m. Ah, c'est une belle perf. Alors, le record des Jeux, il est détenu depuis 1993 par un malgache, Toussaint Ramenala, avec 17,21 m. À l'époque, cette année-là, il avait participé au championnat du monde à Stuttgart. Il avait, je crois, été finaliste. Donc on a un gros niveau de triple saut dans l'océan Indien. C'est intéressant, c'est une discipline. Je pense que les gens de l'océan Indien sont des gens qui ont beaucoup de qualité, de vitesse détente. Et on le retrouve sur le triple saut. Alors c'est un record qui sera quand même assez difficile à battre, Luc. Et mais peut-être que celui qui le battra, eh bien ce sera Jonathan Drake. Alors ouais, il faudrait qu'il saute loin aujourd'hui. Et en plus, il faudrait que le vent décide de rentrer à la maison. Deuxième essai également pour le malgache Tsirini Rakoto Arisoa. La planche est bonne, reste maintenant à mesurer le saut. On rappelle qu'en 2011 aux Seychelles, la Réunion avait fait un doublé avec donc Stéphane Grézé 16,24 m. Et deuxième, il y avait Olivier Huette avec 15,83 m. Et surtout 4,90 m devant pour le malgache. Autant dire que là, je vois mal quel va être le sauteur qui va pouvoir homologuer un record s'il y a, parce que le vent ne descend pas au-dessus des 3 à 4 mètres. Il serait bien, mon cher Pascal, que vous alliez peut-être prendre un peu de nouvelles de Giovanni Lindor, qui s'est blessé dès sa première tentative. Il avait visiblement l'air de beaucoup souffrir. Je crois qu'il ne reviendra pas. Alors le malgache 14,85, donc il prend la troisième place du concours pour l'instant. Olivier Huette est deuxième. Alors si mes souvenirs sont bons, en 2011, Olivier Huette est plutôt un sauteur en longueur. Il était venu sur le triple saut et avait été en tête du concours assez longtemps. Et Stéphane Grézé avait dit c'est ma discipline, on va me laisser gagner. Et donc il avait été obligé de faire une grosse perf pour aller chercher la médaille d'or. Effectivement, sa discipline de prédilection à Olivier Huette ici à l'antenne, c'est bien la longueur. D'ailleurs, il avait fait un superbe concours au dernier meeting de Saint-Denis avec notamment Salim Sdiri, l'ancien champion de France. Olivier Huette pour son deuxième essai dans ce concours du triple saut, mené pour l'instant par le Mauricien Jonathan Drake, avec un saut à 17,05 m dès son premier essai. Olivier Huette, le Réunionnais. Voilà, Olivier qui s'entraîne avec Benjamin Campaoré, le champion d'Europe, senior de la spécialité, qui a été formé à La Réunion par Cédric Lopez. Et on se souvient qu'il avait été champion d'Europe junior en 2007. Voilà, il demande la claque du public. Ah, il s'est un peu affaissé dans son dernier saut. Pas terrible, la planche est bonne, il sera quand même mesuré.
Alors d'ici difficile, on pense qu'il va faire un petit peu plus de 15 mètres certainement. Bon, il s'est affaissé, il était effectivement Johnny. Oui, complètement dans son dernier bond. Non, moins de 15 mètres. Et en attendant de revoir Stéphane Grézé pour son troisième essai, on va peut-être revoir, mon cher Luc, ce premier essai qui a tant fait souffrir le Mauricien Giovanni Lindor. Pour ceux qui ont pris le direct en cours, on va peut-être voir si notre réalisateur chéri Patrick Niarlot veut bien nous envoyer cette image. Alors ce sera peut-être après. Non. Le voilà. Vous avez bien. Dès le troisième appui, il semble se tourner la cheville. Là, c'est vraiment, vraiment la faute à pas de chance. Là. Ouais, c'est incompréhensible. Il n'a même pas mis le pied sur la lisse. Oui, Johnny. Quelques précisions concernant cet athlète mauricien. Donc, j'ai des nouvelles au niveau du médecin au bord de piste. Rupture complète du tendon d'Achille. Donc, ça ne plaisante pas. Rupture du tendon d'Achille. Donc, malheureusement, pour les Mauriciens, il ne pourra plus concourir et il risque d'être indisponible à un bon moment. Merci, Pascal. Stéphane Grézé va se lancer pour son troisième essai. On rappelle qu'il avait mordu les deux premiers. Alors pour en revenir aux Mauriciens, effectivement, voilà, ça explique tout. Johnny, on ne comprenait pas pourquoi il s'était arrêté comme ça en pleine course. Et la rupture du tendon d'Achille, malheureusement, ça ne prévient pas. C'est un gros claque. On est arrêté, on se demande ce qui se passe. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. Et effectivement, on va en avoir pour longtemps beaucoup de rééducation. Allez, on suit Stéphane Grézé. Cette fois-ci, la planche est bonne. Alors la course d'élan n'était pas bonne, elle, vous l'avez vu, il a piétiné, il a cherché la planche pour assurer un saut. On va voir la première marque de Stéphane Grézé. Regardez au ralenti, on le voit bien. Voilà, 15,61 m pour Stéphane, donc il prend la deuxième place du concours derrière le Mauricien Drac. Et on a en troisième position Olivier Huette, donc deux réunionnais sur le podium pour le moment. Stéphane Grézé, 15,61 m à son troisième essai. Il est le médaillé d'or en titre, mais pour l'instant sensiblement distancé par le Mauricien Jonathan Drac dans ce concours du triple saut. Et c'est le malgache Tsirin Rakotoharisoa qui va à son tour s'élancer pour son troisième essai. Alors des conditions de vent, on peut le dire, inhabituelles ici au stade olympique de Saint-Paul. On se croira à Champfleur presque. Effectivement, c'est rare, hein, ce stade est magnifique. C'est un stade où on peut faire de belles performances. On se souvient des Jeux des Îles 98, il y avait eu de gros chronos qui avaient été réalisés. Et franchement, voilà, c'est pas de chance parce que je crois qu'une semaine dans l'année, il doit y avoir ce vent-là. Et ça tombe aujourd'hui pour cette journée d'ouverture. Allez, le malgache en bout de piste pour son troisième essai dans ce concours du triple saut. Vous vivez en direct si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, les premières finales d'athlétisme ici du stade olympique de Saint-Paul en direct sur Réunion Première. C'est parti pour le malgache. Allez, on va dire un saut plutôt moyen par rapport au précédent. La planche est bonne, il va être mesuré donc. Effectivement, si on remonte à 1998, vous parliez des belles performances réalisées ici. Eh bien, un monsieur qui avait réalisé une superbe performance, c'est Alexandre Vallon-Haro, on l'a vu tout à l'heure, donc qui avait
qui nous avait réussi un formidable 100 mètres avec ce duel au couteau là avec le Mauricien Stéphane Buckland, et il avait réussi à battre Buckland et même inscrit encore un record. Le record des Jeux du sur 100 mètres homme est détenu encore par Alexandre Ballon-Haro. Et 14,58 m pour le Malgache Rakoto Arisoa. Oui, Alexandre Ballon-Haro, ça a été la course de sa vie, 10,36. C'est son record, ça reste son record. Ça avait été il avait pris un départ exceptionnel. Buckland était un jeune athlète à l'époque. Il était un athlète en devenir qui a ensuite participé à plusieurs finales mondiales sur 200 mètres. Et Alexandre avait réussi à le battre. Et c'est aujourd'hui l'entraîneur des relais de la sélection de La Réunion. Donc on va le voir à l'œuvre autour des athlètes du sprint. Buckland qui avait pris sa revanche au jeu suivant. À Maurice d'ailleurs. Oui, et à Maurice en 2003, il y avait ce vent-là. Il y avait eu ce vent-là toute la semaine, donc il n'y avait pas eu de grosse performance réalisée. On revient au concours du triple saut avec en bout de piste Olivier Huet, le Réunionnais. Regardez son parcours, 15-08, 14-72. Il sera mesuré ce saut. Un saut bien équilibré. On voit que Olivier a un peu de soucis avec le vent. Il ne court pas à pleine vitesse. Hein. C'est difficile. C'est pas la même vitesse évidemment que sur du saut en longueur, sur la course d'élan. Et on le sent tranquille sur sa course d'élan. Il faudrait peut-être qu'il mette un petit peu plus. À 15,16 m, c'est son meilleur saut du concours. Et donc il conserve sa troisième place pour le moment. Il la consolide même. On disait en préambule, Luc Bizuern, que cette journée d'athlétisme avait débuté très très tôt ce matin, dès 7h, avec le semi-marathon. Semi-marathon dominé chez les hommes par Madagascar et chez les dames par Maurice, avec La Réunion se console, entre guillemets, j'ai envie de dire, avec une médaille de bronze obtenue par Anatia, alors que François Lebon termine quatrième. Est-ce qu'on peut parler, Luc, de déception quand même sur ces résultats-là? On attendait mieux, franchement. Oui, on attendait mieux. Je crois que quand décision a été prise de remplacer le marathon, malheureusement, qui est une épreuve olympique, par le semi-marathon, il avait été dit que La Réunion avait plus de chances de faire des médailles sur le semi-marathon. Je pense que du coup, ça s'est avéré faux. Anatia est finie troisième. On en avait fait une favorite. Enfin, certains en avaient fait une favorite. Il faut dire qu'elle a été blessée, Anne, au mois d'avril-mai, ce qui n'est pas la bonne période. Donc, elle a eu très peu de temps pour se remettre. Elle fait troisième, elle fait son meilleur chrono, elle fait 1 minute 30 de mieux qu'au championnat il y a 3 semaines. Donc forcément elle va être déçue parce qu'il lui a manqué 30 secondes et que si elle n'avait pas été blessée, elle aurait pu aller chercher sans doute la médaille d'or. Quant à la déception, c'est plutôt François Lebon qui finit quatrième. Derrière les deux Malgaches, on savait que les Malgaches seraient plus forts que lui sur semi, mais derrière un Mauricien. Donc là c'est une déception effectivement. Après... c'est vrai que le demi-fond et le fond réunionnais ne fonctionnent pas beaucoup à cause de plein de choses, sans doute à cause du trail qui attire beaucoup d'athlètes. Mais pas seulement, je crois qu'il y a un problème de formation chez les jeunes. Il y a un projet de pôle demi-fond aux Crêpes de la Plaine des Cafres, et je crois que c'est un beau projet et qu'il faut mener à bien, de manière à former une relève à ce demi-fond. Et pendant ce temps, vous le voyez à l'écran, se préparent les coureuses du 400 mètres haies. Il y aura deux séries, 400 mètres haies, dames, deux séries. Mais sans les haies, Johnny, je crois. C'est 400 mètres plats, voilà, oui. Par rapport au programme initial. Effectivement, ils nous avaient donné 400 mètres haies, dames, ce sera les 400 mètres plats, deux séries donc à suivre pendant ce concours du triple saut. Avec bien sûr les Réunionnaises, notamment Nelsie Harriman, à suivre dans ce concours. Le concours du triple saut, lui, se poursuit avec maintenant en bout de piste le Malgache. Ah, c'est un saut qui est plus joli techniquement que les précédents, où on avait l'impression un peu qu'il se battait avec ses appuis.
Alors Jonathan Braque, il a décidé de pas sauter le troisième, ni le quatrième. Je pense que bon, il a un concours gagné et il a sauté à Castres mardi. Donc c'est, il est arrivé, il y a la fatigue de l'avion, il y a la fatigue du voyage. Et comme je vous disais tout à l'heure qu'il a sauté 7,80 m à la longueur cette année, juste c'est quasiment le même niveau de Yann Randrianasolo, le meilleur réunionnais. Je crois qu'il en garde un peu sous le pied pour essayer de tenter le doublé. Et oui, Jonathan Drake qui a presque assuré une médaille d'or dans ce concours avec un premier saut à 17,05 m, on le rappelle. On le reverra certainement tout à l'heure au ralenti, ce premier saut du Mauricien. Un saut mesuré à 14,85 m pour le Malgache. Voilà, il égale son meilleur saut. Il reste à la quatrième place. Et voici les dames du 400 mètres plat. Il y aura deux séries, donc une première série avec la réunionnaise Mohamed Nassima et une deuxième avec Peggy Lopez et Nelcy Harriman. Alors ce qu'il faut expliquer dans ce 400 mètres plat, c'est que les délégations avaient des qualifiés et avec le relais 4x400 mètres, ils avaient aussi d'autres sélectionnés et que ces sélectionnés sur 4x400 mètres ont eu le droit de participer individuellement aux 400 mètres, même s'ils n'ont pas fait les minima. Ça permet de faire deux séries, c'est intéressant. Voilà, on va suivre Olivier Huette pour son quatrième essai. Pas beaucoup mieux vu sa réaction après coup. Pourtant, il avait pris un petit peu plus de risques sur la course d'élan. Il est allé un peu plus vite que tout à l'heure. Ce qui serait bien, c'est qu'il ait fait un peu plus de 15,16 m pour se mettre à l'abri du malgache. Et c'est le cas. pour Olivier Huette, le réunionnais, à son quatrième saut. Stéphane se prépare pour son quatrième essai. En bout de piste, Stéphane Grézé pour son quatrième essai. On rappelle que le réunionnais vainqueur en titre a mordu ses deux premiers essais, a réussi 15,61 m en troisième et on espère qu'il va faire mieux à son quatrième essai. Bah on peut penser que maintenant qu'il a une performance à 15,61 qui devrait lui assurer une médaille d'argent, hein, sauf gros saut derrière d'Olivier Huette ou du Malgache. On peut penser, voilà, il recule ses marques, il a reculé d'un pied, donc il va prendre plus de risques sur sa course d'élan, essayer d'arriver le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible. Arriver à la vitesse efficace pour pouvoir enclencher son saut. C'est mordu malheureusement. Il y a peut-être une explication au fait qu'il est mordu, c'est qu'il a une marque au sol au départ de son saut et en fait il ne respecte pas la marque. Il était parti un demi-pied devant cette marque. Et donc voilà, je crois qu'il y a un demi-pied au bout. Malheureusement, c'est mordu. Jonathan Drake, c'était bien mordu et on va retrouver Jonathan Drake. Pour son quatrième essai, il avait fait l'impasse sur le troisième. Alors, est-il capable, mon cher Luc, d'aller plus loin que ses 17,05 m? Bah, pourquoi pas. En tout cas, c'est une grosse performance en ouverture de ces Jeux des Îles. Ça pourrait être la performance des Jeux des Îles, 17,05 m. Hein. Même s'il y a beaucoup de vent, c'est une performance de niveau mondial. Donc, on va suivre son prochain saut. Beaucoup de Mauriciens désormais s'entraînent en France
Donc oui, c'est son cas. Il y a beaucoup qui sont licenciés dans un club dans les Vosges et qui vont plusieurs semaines s'entraîner là-bas. La planche est bonne, l'essai sera à mesurer. Fera-t-il mieux que 17,05 m? Pas sûr sur ce coup-là. Visuellement, c'est un beau saut. Hein. C'est un très beau saut qu'on revoit ici au ralenti. Alors, le tableau d'affichage, on a vu un apparaître, c'est normal. On va regarder. Avec quand même, oui, avec quand même 2,90 m devant favorable. Jolie performance, 16,58 m. C'est vrai que le vent, Pascal, a, ici dans la tribune, on a l'impression qu'il s'est un petit peu calmé. Effectivement, il s'est un tout petit peu calmé, mais bon, on va dire que là, il est à 2,90 m quand même, mètres seconde. Et il s'est un petit peu calmé depuis le troisième essai, on va dire. Hein. Légèrement calmé, mais il est encore assez important pour gêner les sauteurs. 17,05 m pour son premier essai, 16,84 m pour le deuxième, 16,58 m maintenant pour son quatrième. Jonathan Drac, le Mauricien, fait pour l'instant la course en tête dans ce concours du triple saut. Et maintenant, c'est au tour du Malgache Rakotoa Risoa qui va se lancer pour son cinquième essai. Alors qu'on ne devrait pas tarder à assister donc à la première série du 400 mètres dames, 400 mètres plat, prévu 16h30. Pour le 400 mètres, première série, elle représente Maurice. Elle est au courant. Allez, on va suivre le saut du Malgache et ensuite se diriger vers le 400 mètres plat, la première série. Là encore un très beau saut du Malgache. Myriam au couloir numéro 4 pour Madagascar, Fangalina Jeanne. Alors que l'on revoit au ralenti le saut du Malgache qui sera mesuré, on attend la marque mesuré à 15,09 m, donc 15,09 m. À 12 cm d'Olivier Huette seulement, donc il faudra surveiller son sixième essai. C'est la médaille de bronze en jeu entre les deux athlètes. Allez, direction mon cher Luc, sur la ligne de départ du 400 mètres dames, première série avec la Mauricienne Guillaume Stéphanie qui sera au couloir numéro 2, la Mahoraise Myriam Lazahan, couloir numéro 3, Jeanne Fonjalina, la Malgache, au couloir numéro 4, Ena Sounassi, la Mauricienne, couloir numéro 5, Odile, la Malgache, couloir numéro 6, et la Réunionnaise Nassima Mohamed, couloir numéro 7. Alors sur le tour de piste féminin, théoriquement, ce sont les Malgaches qui sont les meilleurs dans la zone océan Indien. Ça a toujours été comme ça. On n'a malheureusement pas, ça a été difficile d'avoir les temps d'engagement, les temps de référence des athlètes à la commission technique d'avant-hier. Les temps n'étaient pas arrivés. Ça va être difficile de vous parler du niveau de ces athlètes sur cette série. Mais on peut penser effectivement que les Malgaches devrait dominer la course. Alors le principe de qualification pour la finale qui aura lieu demain, c'est les deux premières de chaque demi-finale vont en finale et les quatre meilleurs temps. Donc l'intérêt, c'est de terminer dans les deux premières de cette course. Et c'est parti pour cette première série du 400 mètres dames. À suivre donc couloir numéro 7, la Réunionnaise Nassima Mohamed qui a fait un départ plutôt... Mais il est remonté, elle est remontée ici par la Malgache Odile. Ouais, et un excellent départ au couloir 3 de la Mahoraise Myriam Blazae, qui était au Racing Club de Mamoudzou, qui s'entraînait à Mamoudzou avec Sébastien Sinave avant de partir en métropole. Et voilà, c'est elle qui va rentrer en tête dans la dernière ligne droite avec à ses basques les deux athlètes malgaches. Va falloir tenir pour la petite Mahoraise Myriam M. Lazae, poursuivie de près par la Malgache. Est-ce qu'elle pourra résister jusqu'au bout? Non, la Malgache la passe
Et ce sera une victoire pour la... Pour la malgache, pour la malgache, effectivement. Donc, Jeanne Fanjalina. Qui s'impose devant Myriam Lazahae, dont toutes les deux seront en finale. Et ensuite, troisième place pour l'autre malgache, Odile. Et la quatrième place pour... troisième place, pardon, pour la mauricienne Ena Sunaz. Et quatrième place pour Odile, la malgache. L'arrivée au ralenti donc de ce 400 mètres dames avec la mahoraise qui se fait coiffer là juste à 15-10 mètres de la ligne d'arrivée par la malgache Odile qui termine plus fort. Bon, c'est la malgache qui finira à 3. Oui. Troisième la malgache, donc Odile Razana Drakoto. Les malgaches qui, on le disait, généralement font la meilleure récolte de médailles d'or, notamment sur les épreuves d'athlétisme. Voilà. Et dans la deuxième série, à suivre, car il y aura Peggy Lopez, la réunionnaise de l'Athletic Club de Saint-Paul, favorite, on peut le dire, de cette deuxième série. Ah, ça va être une série difficile pour elle. Elle est au couloir 2. Alors on va suivre en radio en même temps le dernier essai de Jonathan Drac. Oui, Jonathan Drac pour son dernier essai. Son cinquième essai. Ça a été pas mal. Hein. Il est allé encore loin, Jonathan Drac. Voilà, en attendant sa mesure, oui, ce qu'on peut dire sur la première série du 400 mètres, c'est que dans ces conditions, il faut savoir doser son effort. Donc la mahoraise est partie vite avec le vent dans le dos. Elle a pioché avec le vent de face. On l'a vu, elle ne montait plus les genoux. Hein. C'était difficile pour elle. Voilà, 16,27 m avec un vent régulier d'1,80 m pour Jonathan Drac qui conserve la tête du concours. Donc ce 400 mètres, important de pouvoir doser son effort. Le vent est favorable sur les 200 premiers mètres. Donc on a tendance, si on ne fait pas attention, à se laisser aller, à partir vite. Et puis la surprise, c'est l'arrivée dans la dernière ligne droite avec ce vent fortement défavorable. Et la mahoraise a vraiment peiné. La malgache aussi, mais elle en avait un petit peu gardé sous le pied, ce qui explique sa victoire. Pascal, dites-moi, est-ce que vous avez noté le cinquième saut de Stéphane Grézé dans ce concours du triple saut? Eh bien, je me renseigne dans quelques secondes, je vous donne ça, puisque j'étais également sur le 400 mètres. Hein, mais c'est vrai que là, je suis revenu au niveau du triple saut et je vous donne ça dans quelques instants. Un concours du triple saut toujours dominé donc par Jonathan Drac. Retour sur le 400 mètres dames avec la deuxième série. Bon, on va faire le va-et-vient entre les départs du 400 mètres et le triple saut avec le malgache. Avec un bon choix du réalisateur, parce que c'est son dernier essai. C'est sa dernière chance d'aller chercher le podium, la médaille de bronze. Voilà, le saut est bon. On a pour l'instant, il a sauté 15,09 m. Et s'il veut cette médaille de bronze, il faut qu'il fasse plus de 15,21 m. On va le savoir de suite. Eh bien non, 15,04 m pour le malgache, ce qui veut dire qu'Olivier Huette, qui va être le prochain à se présenter sur le sautoir, est assuré de sa médaille de bronze. Parce que les règles internationales maintenant sur les concours, Johnny, c'est qu'après 3 essais, on saute dans le désordre, enfin dans l'ordre du classement. C'est-à-dire que le dernier saute en premier, l'avant-dernier saute en second, ce qui permet de garder un certain suspense. Voilà. Allez, on va se reconcentrer maintenant. Non, on reste sur Olivier Huette. Alors que le départ du 400 mètres dames, la deuxième série est imminente. On est même à la présentation de cette série. Shaoli Eugénie. Oui, Johnny, juste pour vous informer que Stéphane Grézé a mordu son dernier saut. Cinquième. Son cinquième saut, voilà. Son cinquième saut, il l'a mordu.
et que eh bien, Huette, lui, il a fait l'impasse sur un saut. Ok, merci. Et on a vu la petite tape amicale de Stéphane Nativelle, juste en passant aux côtés d'Olivier Huette. Stéphane qui est le capitaine de la sélection réunionnaise, quadruple médaillé d'or au disque sur 4 jeux différents. Olivier Huette pour son 5e saut. Son 6e saut, pardon. Ce sera moins loin, c'est mordu. C'est mordu. Voilà, comme ça on va revenir au départ de la deuxième série du 400 mètres féminin. Allez, on va rappeler les partantes. Avec Peggy Lopez, couloir numéro 2, la réunionnaise. La malgache Eugénie Saoli, couloir numéro 3. La maldivienne Nazra, couloir 4. Alcindor Aurélie, la mauricienne, couloir 5. Et Nelsi Ariman, la réunionnaise, couloir numéro 6. Alors, on connaît le niveau des deux réunionnaises sur cette course, hein, puisque Nelsi Ariman, qui a été formée au port et qui maintenant est licenciée à Angoulême, depuis quelques années a réalisé 56-83. Et Peggy Lopez, maman de 3 enfants, qui continue à courir. Hein. Elle a été internationale, elle a participé au championnat d'Europe avec le 4x400 mètres français au début des années 2000. Elle est toujours là en 2014 et elle a couru 57-09. Après leur adversaire, on ne connaît malheureusement pas leur performance. Et l'interrogation, c'est au couloir 4, l'athlète des Maldives. Puisque ce matin, Johnny, on a un coureur de 100 mètres des Maldives qui a fait le meilleur temps. Et qui a fait une énorme, qui a fait une grosse sensation. Il s'agit de M. Hassan Saïdi, le porte-drapeau d'ailleurs de la délégation maldivienne. On nous avait dit le plus grand bien de ce garçon. Et ce matin, il nous l'a montré. On espère confirmation tout à l'heure lors de la finale du 100 mètres messieurs. Alors que pendant ce temps, Stéphane Grézé va pour son dernier essai. Mordu, hélas. Et c'est mordu. Pour l'instant, il est deuxième de ce concours du triple saut. Et il terminera deuxième, hein, puisque c'était son dernier saut. Pour sortir, dernier essai, espérons qu'il n'y ait pas beaucoup de vent pour le Mauricien Drake Jonathan. Drake Jonathan, qui a déjà concours gagné, va quand même faire son sixième et dernier essai. Mais concentrons-nous sur cette deuxième série du 400 mètres dames, avec notamment Peggy Lopez, la réunionnaise, couloir numéro 2. Est plutôt bien parti pour Peggy Lopez, alors que la mauricienne Alcindor a refait un peu son retard sur rattrape même Nelsi Ariman dans la première courbe. Oui, c'est un départ rapide de la mauricienne. Très rapide même. Et Peggy, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Peggy est une coureuse de 800 mètres, Peggy Lopez. Et je pense que vous allez voir, elle va faire un dernier 200 mètres qui va lui permettre d'aller se qualifier avec la malgache. Pour l'instant, c'est Alcindor et Nelsi Ariman au coude à coude. Mais derrière, on voit déjà le maillot bleu de Peggy Lopez qui refait son retard. D'abord sur la malgache dans la dernière ligne droite. Eh bien, Aurélie Alcindor toujours au devant. Voilà, Alcindor qui tient Peggy Lopez qui va aller prendre une deuxième place. Voilà, et la malgache troisième et Nelsi Ariman quatrième. On va attendre les chronos pour savoir si ces quatre athlètes participeront à la finale. Je pense que oui, hein. Elles sont assez groupées. Sur la série précédente, les quatre premières avaient été assez groupées aussi devant. Donc demain, on aura une finale à 8 certainement avec deux réunionnaises au départ. Très très belle course en tout cas de la mauricienne Aurélie Alcindor. On attendra d'avoir les temps des séries pour se faire une idée bien précise de ce que sera la finale de ce 400 mètres dames. Voilà, mais sur les impressions, la mauricienne Alcindor partira favorite, hein, demain. Peggy Lopez a fait une belle course, il faudra que demain elle prenne un peu plus de risques si elle veut chatouiller ses meilleurs adversaires dans la dernière ligne droite. Et puis la Mahoraise, demain, il faudra voir si elle pourra tenir
Elle a fait un joli 300 mètres aujourd'hui. Malheureusement, il lui a manqué 100 mètres. Donc, il faudra voir demain si elle est capable de tenir son tour de piste. Une très, très belle foulée, la Mauricienne Alcindor, qui remporte donc cette deuxième série du 400 mètres. Alors que le concours du triple saut est terminé, le podium premier, le Mauricien Jonathan Drac avec un saut, un premier saut à 17 mètres 05. Deuxième, Stéphane Grézé, 15 mètres 61. Et troisième, Olivier Huette. Voilà donc le podium de ce concours du triple saut à ses 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Jonathan Drac qui détrône donc Stéphane Grézé du podium du triple saut. Oui, effectivement. Et si on fait le tableau des médailles des épreuves d'athlétisme, c'est Maurice qui est en tête avec 2 médailles d'or. Tout à fait. Avec Stéphane Grézé, Johnny. Allez-y. Oui, avec Stéphane Grézé. Donc Stéphane, une belle deuxième place. Bon, vous loupez l'or, on va dire, c'est l'objectif. Satisfait quand même de votre concours? Oui, satisfait parce que bon, début de saison était un peu compliqué. Et là, bon voilà, bon, j'assure avec un saut avec 15 mètres 61, c'est ça? 15,61 effectivement. 15,61, donc du coup, voilà, satisfait, sans plus. Le Mauricien était pas jouable aujourd'hui? Il était fort. Aujourd'hui il était fort. Et ben, d'ailleurs, félicitations à lui. Et ouais, aujourd'hui il était fort. Et puis voilà, ça sera. Il faudra aller à l'entraînement pour bosser, c'est ça. Merci, bravo. Stéphane Grézé donc deuxième de ce concours du triple saut. Oui, ce qui serait intéressant, Pascal, c'est si vous pouvez avoir le Mauricien. Parce qu'après ces Jeux des îles, il va participer au championnat du monde à Pékin. Et vu le saut qu'il a réalisé aujourd'hui, plus le saut réalisé cette semaine à Castres, il aura certainement des ambitions de finale mondiale. Avec le vainqueur du triple saut à mes côtés. Alors j'entends satisfaction, j'imagine, belle médaille d'or, un premier saut qui tue le concours. Très satisfait, donc oui, il fallait être prêt dès le premier saut. Donc ce que je fais avec des conditions un peu venteuses, mais ça fait du bien, mais il fallait planter le saut, donc ça a été fait au premier et après j'ai pu gérer le concours par la suite. C'est l'expérience qui parle, vous avez géré effectivement vos différents sauts. Oui, exactement, parce qu'après j'ai encore les championnats du monde à venir, donc il fallait quand même pas perdre trop de jus, parce que comme j'ai 3 semaines d'entraînement encore, et donc il fallait se préserver aussi. Rendez-vous maintenant sur le saut en longueur? Non, malheureusement, j'aurai pas le temps, parce qu'il faut que j'ai les contrats professionnels, donc il faut que je rentre rapidement en France. Merci. Voilà, c'est une info qu'on vient d'avoir. Il ne fera pas donc la longueur, notre ami Jonathan Drac. Ah, c'est bien dommage parce qu'on aurait bien assisté, Johnny, à une bagarre entre Olivier Huette, entre Randriana Solo et entre Jonathan Drac. Ça aurait été un beau concours, je pense. Néanmoins, il y a d'autres Mauriciens qui sautent loin à la longueur, donc on assistera à la finale dans quelques jours avec attention. Non. Voilà, donc une petite pause dans ce programme pour le moment. On a les perchistes qui sont à l'échauffement. Car la prochaine finale à suivre pour nous, mon cher Luc Bizouerne, eh bien, c'est la finale du 1500 mètres homme. Oui. La finale du 1500 mètres homme qui se déroulera sous les yeux de Bernard Amsalem, puisque le président de la Fédération française d'athlétisme est là aujourd'hui. Il est arrivé tout à l'heure dans les tribunes quelques minutes avant le début des épreuves. Alors, que dire de cette finale du 1500 mètres homme? Eh bien, les partants, ils étaient, on va dire, au nombre de 9, mais avec le retrait des Comoriens, eh bien, cette course sera amputée des 3 athlètes comoriens. Et c'est dommage, car il y avait dans cette finale le dénommé Jamshi Atuman. Un sacré client, c'était le seul médaillé d'or comorien aux Jeux 2011 aux Seychelles. Il s'était imposé sur le 800 mètres et on nous l'avait annoncé très très fort sur 1500 mètres. Malheureusement, il faudra faire sans Jamshi Atuman, sans également Abdoulak Atuman et sans Miftaou Mohamed, les 3 athlètes comoriens qui ne seront pas de cette finale du 1500 mètres. Il en restera donc 6 avec notamment un jeune réunionnais répondant au nom de Malo Chefson, licencié au CA Balma. Que pouvez-nous
Que pouvez-vous nous dire, mon cher Luc, sur ce coureur Malo Chefson? Alors Malo Chefson, c'est un athlète qui a été formé à l'ACS 3 Bassins. Et puis il est parti en métropole à la dernière rentrée scolaire. Alors quand il était ici, c'était un bon coureur régional. Hein. Il remportait les courses dans sa catégorie. Et puis, en partant en métropole, il a vraiment progressé puisqu'il a fait 30e des championnats de France cadets de cross country cet hiver. Et finir dans les 30 aux championnats de France cadets de cross, c'est une grosse performance. Et puis il a fait 358 au 1500. Il est du CA Balma. Alors le CA Balma, ça nous fait. C'est le club de Jonathan Drake, le Mauricien. Voilà, il vient de la même région que lui. Donc c'est qu'il y a du bon travail de fait là-bas, hein, quand on voit la performance réalisée par le Mauricien au triple saut. Et Malo, il va falloir voir comment ça va se passer pour lui. Il est jeune, c'est pas à lui de faire la course, même s'il est à domicile. L'absence des Comoriens, effectivement, va changer la donne parce que Jamshi Atouman était annoncé bon coureur. Je ne sais pas si c'est son frère, mais il y avait également Abdul Had Atouman qui a réalisé lui une 54 au 800 mètres cette saison. Et je pense que c'est eux qui auraient dû prendre la responsabilité de la course, là qu'on va voir. Il n'y a qu'une course, il y a une médaille d'or au bout. Est-ce qu'on va avoir une course tactique ou bien est-ce qu'on va avoir des athlètes qui vont partir devant, qui vont essayer de faire une course rapide? Voilà, c'est une des interrogations de ce 1500 mètres qui va partir dans quelques minutes. Alors que le vainqueur du concours du triple saut, le Mauricien Jonathan Drake, passe juste au-devant de ses supporters. Drapeau mauricien en main, suivi par Stéphane Grézé, le deuxième, et Olivier Huette, le troisième. Voilà, avec le quadricolore. Et effectivement, ses supporters qui crient Maurice, Maurice. Alors on a parlé donc des athlètes comoriens absents donc de ce 1500 mètres. Alors qui reste-t-il, mon cher Luc? Alors il reste le Séchillois Yannick Magnan, le Mauricien Mohamed Doukoun, le Malgache Eri Rakoto Arimanahana, l'autre Mauricien Saminad Paramasiven, le Réunionnais donc Malo Chefson, on l'a dit, et puis un autre Malgache, Nicolas Rakoto Naina. Alors c'est comme pour le 400 mètres tout à l'heure, hein. Généralement, historiquement, ce sont les Malgaches qui dominent le demi-fond. On l'a vu, on en a eu confirmation ce matin avec le semi-marathon, avec le doublé malgache chez les hommes, et puis la deuxième place de leurs compatriotes chez les femmes. Une deuxième place marquée par une erreur, une petite erreur à l'entrée du stade qui lui a peut-être coûté la victoire malheureusement. Voici donc la ligne de départ de ce 1500 mètres homme, Luc. Couloir numéro 1, on le rappelle, le Séchillois Yannick Magnan. Le Mauricien Doukoun Mohamed, couloir numéro 2. Le couloir numéro 3 sera vide. Au couloir 4, le Malgache Eritiana. Couloir numéro 6, le Mauricien Paramasiven. Couloir numéro 7, le Réunionnais Chefson Malo. Et enfin, couloir numéro 8, le Malgache Nicolas Rakoto Niaina. Alors on va essayer de voir. Est-ce qu'on peut parler de course ouverte? Écoutez, on va voir, on va savoir au bout de 300 mètres comment ça va se passer. On va regarder les temps de passage pour savoir si c'est plutôt une course tactique ou plutôt une course rapide. La présentation donc des athlètes qui vont disputer la finale du 1500 mètres maintenant, au nombre de 6 après les défections des trois athlètes comoriens. Voilà, Malo, que j'ai dit cadet tout à l'heure, qui est junior, pardon. Chefson Malo. Le voilà, le jeune Chefson Malo, 18 ans seulement. Pour Madagascar, Rakoto Niania Nicolas. Voilà pour la présentation de ces 6 finalistes. On rappelle que le record des Jeux sur 1500 mètres est de 3 minutes 50-62. Un record réalisé par le Malgache, encore un Malgache Augustin. C'était ici même, en 1998, aux Jeux de 98. Oui, malheureusement, un seul Réunionnais sur ce 1500, ce qui illustre un peu la faiblesse du demi-fond réunionnais.
Et c'est parti pour cette finale du 1500 mètres avec le maillot bleu du longiligne Malo Chefson qui représente la Réunion et devant de suite deux petits hommes en rouge, les deux Mauriciens de cette finale. Alors vous parliez, Luc, de la seule présence de Malo. Est-ce que le fait qu'il y ait deux Mauriciens, deux Malgaches, est-ce que cela peut jouer sur le résultat final ? Ça va dépendre, c'est parti relativement... Voilà, le peloton est groupé, c'est plutôt lent. Alors je ne sais pas quelles sont les capacités de Malo sur, sur le dernier tour, mais là c'est lent, donc ça va être une course tactique qu'il fasse jouer dans les 500 derniers mètres. Voilà, et vous voyez, ils étaient partis assez vite pour se placer, et puis là ça a ralenti, vraiment considérablement, avec les Mauriciens devant. Donc si les Mauriciens ont décidé de cette course tactique, c'est qu'ils se sentent forts dans les derniers 500 mètres, donc on va voir. Et un 1500 mètres toujours mené par les deux Mauriciens, à savoir Dokoun et Paramasiven. Le jeune Réunionnais maintenant se place juste derrière en compagnie du Malgache. Voilà, ils vont bientôt passer aux 500 mètres, donc on va vérifier leur temps de passage, on va suivre. Voilà, aux alentours d'une 30, donc une 30 c'est pour faire 4 minutes 30 aux 1500 mètres. 4 minutes 30 ce sont des temps féminins. Ouais, tout à fait, quand on voit que le record est à 3,50, on ne peut pas dire qu'il soit parti sur des bases assez rapides. Voilà, mais c'est une course de championnat, ça a son charme également. Dans les métiers, on va souvent à Lièvre et puis des courses en file indienne. Car il y a souvent une bourse conséquente au bout. Voilà, exactement. La personne n'a choisi de cette tactique-là. Malo est bien placé, il fait pas d'effort supplémentaire, il s'est mis à la corde. Donc pour l'instant, il est très bien à la corde. Vous voyez, le Malgache qui est au couloir 2, lui, il fait un petit peu plus de distance que les autres. Voilà, à un moment, il faudra sortir de cette trappe-là, parce qu'il est dans la trappe. Il ne peut pas sortir, là, s'il y a une accélération. Mais bon, il y a le temps. Voilà. Le Seychellois qui se replace. Il est dans la boîte, pardon, pas dans la trappe. Et les deux Malgaches en queue de peloton, mais toujours dans les basques de ceux qui sont devant. Et une course toujours menée par les Mauriciens. Toujours sur un rythme de sénateur, mais ça a commencé à accélérer. Vous allez voir, on va passer aux 1000 mètres, dans une centaine de mètres. Et voilà, ça y est, ça commence à s'emballer. Le Malgache qui se replace à l'extérieur, qui va certainement prendre la tête à l'entrée de la dernière ligne droite. De l'avant-dernière ligne droite, pardon. Regardez, les Malgaches qui se rapprochent. Ah, ils font la corde là. Et là, je peux vous dire, ça va aller vite. Attention, le Seychellois a failli trébucher. Il se redresser. Là, les Malgaches qui vont accélérer un peu la cadence avant le dernier tour. Voilà, le Seychellois, Malo, très bien ce qu'il fait. Voilà. À la cloche, il n'y a pas de cloche. C'est curieux. Johnny, vous avez remarqué ça? Oui, on a remarqué ça. À l'entame donc de ce dernier tour, le Seychellois qui mène les débats devant le Réunionnais. Malo là qui force une petite accélération pour se placer devant. Voilà, une accélération plutôt fulgurante. Est-ce qu'il va tenir maintenant? C'est toute la question. C'est la question. Il a le vent dans le dos. Il a pris un risque. C'est bien, il a 18 ans. C'est ses premiers Jeux des Îles. Il y a une belle foulée. Derrière, le Mauricien. Les Malgaches, voilà, maintenant ils sont 5 pour la victoire. C'est fini déjà pour le Seychellois. On va avoir droit à une dernière ligne droite ultra rapide avec le Mauricien là qui force là. Juste devant, le Malgache Malo est un peu détaché. L'autre Malgache fait la corde. Le Mauricien va-t-il tenir dans cette dernière ligne droite? Voilà le Malgache qui fait son effort, qui fournit son effort, qui va certainement s'imposer devant les deux Mauriciens. Victoire Malgache devant les deux Mauriciens, l'autre Malgache et Malo Chefson termine à la cinquième place, me semble-t-il. Victoire Malgache, le numéro 163, à savoir Eri Rakatoa Rimanaha. Il est le grand vainqueur donc de cette finale du 1500 mètres. Encore une fois, les Malgaches nous ont montré toute l'étendue de leur talent sur ce genre d'épreuve. Ouais, voilà, le dernier 500 mètres, une 13 au dernier 500 mètres. Donc, si vous faites un 500 x 3, ça ferait du 3,50, effectivement.
Non, du 3,40, pardon. C'est allé très vite sur le dernier 500 mètres. Les Malgaches sont restés cachés et puis ils sont arrivés sur les 200 derniers mètres pour coiffer tout le monde. Malo Chefson a tenté quelque chose à 350 mètres de la ligne. Il a eu une accélération un petit peu brusque. C'est peut-être ça qui a fait que derrière, il a eu du mal. Je pense qu'on peut saluer. Il a 18 ans, il est junior. Il a encore une petite expérience parce que je vous rappelle, il était à La Réunion ici l'an passé. Et à La Réunion, les compétitions, on arrive à vite à tout le monde se connaît. Donc tactiquement, on progresse difficilement. Et il a tenté quelque chose d'intéressant. Le finish au ralenti donc de ce 1500 mètres avec le Malgache là qui fournit son effort, qui passe le Mauricien et qui va terminer devant Paramavicen, le Mauricien. Très belle fin de course en tout cas, on le disait, hein, c'était parti plutôt lentement, mais ça finit en trombe avec la victoire au finish de ce Malgache, le numéro 163, Eri de son prénom. Voilà, deuxième médaille d'or malgache aujourd'hui en athlétisme, Johnny, après celle du semi-marathon ce matin chez les garçons. Ça commence bien pour eux. Voilà, deux médailles d'or mauriciennes, deux médailles d'or malgaches. Et le soleil qui est parti, ça se rafraîchit. Mais le vent est toujours présent, hein, même s'il a un peu baissé d'intensité, mais toujours présent. Voilà pour le 1500 mètres en tout cas, et prochaine finale, eh bien on va un gros coup de projecteur, mon cher Luc, sur les athlètes handisport et du sport adapté également lors de ces premières finales, puisque juste après ce 1500 mètres homme, on va enchaîner avec le 100 mètres non-voyant dame. Johnny ? Oui, Pascal. Oui, avec le Réunionnais. Le Réunionnais qui a fait une très belle course, Malo Jefferson, qui a fait une très belle course sur ce 1500 mètres. Vous n'avez décroché pas la médaille, mais malgré tout, est-ce que vous êtes satisfait de votre course ? Oui, je suis satisfait. En tout cas, j'ai fait ce que je voulais faire. Quoi. Je suis parti au 300 parce que je sais qu'ils ont une très très grosse pointe de vitesse et moi, je n'ai pas encore la vitesse nécessaire. Du coup, j'ai essayé de partir au 300, ça n'a pas suffi, mais bon, je suis content quand même de ce que j'ai fait. Quoi. Malgré tout, la course était quand même lente au début, ça ne vous a pas pénalisé un petit peu, ça ? Oui, très très, très 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 tactique. Quoi. Et j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de course. Quoi. L'habitude, c'est plutôt régulier et rapide. Quoi. Du coup, voilà, mais je suis quand même content parce que c'est rare que je fasse des courses comme ça. Du coup, ça va. Bravo. Merci, Pascal. Donc, les impressions de Malo Chefson pour sa première grande course, en tout cas, sa première participation aux Jeux des îles de la Réunion, de l'Océanien, pardon, et c'est chez lui. À la Réunion, alors que les vainqueurs, le vainqueur et son compatriote, eh bien, font un tour d'honneur. Un tour d'honneur donc avec le drapeau malgache. Alors on ne sait pas s'il parle français, mais on peut compter sur notre ami Pascal Taillamé pour essayer quand même de lui sortir quelques mots après sa formidable victoire sur ce 1500 mètres homme remporté par Madagascar qui réussit deuxième médaille d'or, vous l'avez précisé, Luc Bizuern. Et voilà notre vainqueur en compagnie de notre collaboratrice Sylvie Poulain qui lui aussi n'a pas fait un 1500 mètres mais plutôt un 100 mètres. Il parle français. Ah, on l'a bien entendu, il parle français. Allez, le vainqueur de la finale du 1500 mètres homme au micro de Pascal Taillamé. Effectivement, avec le vainqueur, le grand vainqueur de ce 1500 mètres, félicitations, belle course et surtout belle pointe de vitesse pour gagner aujourd'hui. Oui, je suis content pour la médaille d'or de Madagascar et pour aussi ma famille, mon club et tous les pays malgaches, tous les parlés malgaches, les médaillants, tous. Médaille d'or et vous faites également belle prestation d'équipe, on va dire. Hein. Vous êtes fatigué, vous avez tout donné, notamment en fin de dernière ligne droite. Il a fallu vraiment tout donner. Allez, les coureurs sont bien, tous sont bien pour courir avec moi. Et elle est forte. Et surtout, on a des tactiques pour pas tuer cet adversaire. Et tous sont forts. Allez. Voilà, très fatigué le coureur malgache, mais surtout belle médaille d'or, bravo. Et c'est vrai que le finish avait été extraordinaire, hein, c'était parti lentement, mais
La fin était très rapide. Et on comprend la fatigue du vainqueur, mais je pense que c'est une fatigue qui va être vite évacuée au moment où il recevra la fameuse médaille d'or. Oui, puis certainement qu'on le retrouvera soit sur 800 mètres, soit sur 5000 mètres. Voilà, ce qu'on peut noter, c'est effectivement, c'est que heureusement qu'ils nous ont compté les tours, les coureurs, puisqu'il n'y a pas de cloche. Et le règlement départemental, régional, national ou international, c'est qu'on doit avoir une cloche qui doit donner le signal du dernier tour. Et là, il n'y en avait pas, malheureusement. Ça n'a pas empêché néanmoins les coureurs de faire leur dernier tour. Et voilà, la cloche, on la voit qui arrive là-bas. Alors, on vous le disait, la prochaine course, eh bien, c'est une course réservée à des sprinteurs, à des deux épreuves de sprint réservées aux non-voyants. Car comme les années précédentes, eh bien, le handisport tient toute sa place dans ces Jeux des îles de l'océan Indien. Il y aura d'abord la finale du 100 mètres femmes non-voyants avec la réunionnaise Elvina Vidot, 20 ans, et qui est vice-championne d'Europe du 100 mètres non-voyants avec un record à 13 secondes 42 pour Elvina Vidot. Elles seront deux normalement, donc dans cette finale. Il y aura Elvina Vidot, la réunionnaise, et la mauricienne Andorra Julie Osun. Alors, particularité donc de ces épreuves de non-voyants, ils vont courir en duo. Voilà, donc elles seront deux, mais elles seront quatre finalement. Voilà, effectivement, vous a cité le nom des athlètes handisport, et elles ont avec elles leur guide. Alors, elles sont rattachées par le poignet. Voilà, ce doit être une expérience pour le guide extraordinaire également, parce qu'on fait corps, on doit faire corps d'une certaine façon avec l'athlète qu'on accompagne. C'est une grande complicité également entre les athlètes qui doit naître, parce qu'il y a des entraînements, des heures d'entraînement ensemble. Alors là, c'est en ligne droite, mais il y a aussi des courses de non-voyants en virage, donc là c'est encore plus difficile, cette complicité à mettre en place. Donc on va suivre avec attention cette finale. C'est ce qu'on appelle un vrai travail d'équipe. Il y a toute une coordination à travailler pendant des années et des années. La voici, Elvina Vidot, avec son accompagnateur, son guide. Quel est le terme approprié exactement? Son guide. Hein. On peut saluer le travail, excellent travail fait par Annick Amakouti au niveau du comité régional handisport. Je me souviens qu'en 2003, quand l'handisport a fait son entrée au programme des Jeux des Îles, Annick cherchait des guides à l'époque. Il y avait Jacob Lagourde, elle en avait trouvé au niveau de l'athlétisme. Il y avait Christophe Mtima, qui est maintenant entraîneur de la sélection réunionnaise, qui était venu comme guide. Et vraiment, je crois que c'est une très belle expérience pour le guide également. Et la jeune fille que l'on voit à l'antenne, eh bien, c'est la sprinteuse de l'île Maurice, Andorra Osun. Voilà, ils sont en train de se placer dans les starting blocks, car on parlait vraiment de coordination. C'est une course d'équipe. Le moindre faux pas, la moindre hésitation peut être fatale. Ouais, et c'est une course qui doit se faire dans le silence. C'est important parce qu'il y a les consignes du guide. Imaginez que si l'athlète ne court pas droit et sort de son couloir, elle peut être disqualifiée malheureusement. Et donc, il est important qu'il y ait un silence quasi complet dans l'enceinte pour que les consignes puissent arriver. Alors, si vous nous rejoignez ici au Stade Olympique de Saint-Paul, eh bien, sachez que pour ces premières finales, on peut déjà d'ores et déjà vous dire que la finale du 1500 mètres a été remportée par Madagascar, que le concours du triple saut a été gagné par le Mauricien Jonathan Drac, médaille d'or donc devant Stéphane Grézé, le Réunionnais, et Olivier Huette, l'autre Réunionnais, qui sera médaillé de bronze. Et à venir, la finale du 100 mètres dames non-voyant. On rappelle également les victoires malgaches ce matin sur le semi-marathon homme et la victoire de la Mauricienne Antoinette Milazar sur le semi-marathon dame. Anatia a pris la troisième place et donc la médaille de bronze. Et pour être tout à fait complet sur cette première journée de compétition
mon cher Luc Bizuerne, et bien Cocorico, Cocorico, hein, puisque nos cyclistes, vous y étiez me semble-t-il, nos cyclistes, l'équipe de La Réunion a remporté le contre-la-montre par équipe. Hein, c'était en début d'après-midi du côté de l'étang Salé. Oui, étang Salé-Saint-Leu, c'était un double aller-retour. Et une belle performance d'équipe de la sélection de La Réunion qui s'est imposée avec un peu plus de 2 minutes d'avance sur la sélection mauricienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 5 équipes au départ, qu'il y avait un départ toutes les 5 minutes et que dans l'ordre sont partis les Mahorais, puis les Malgaches, puis les Seychellois et puis les Réunionnais. Et en fait, on ne s'y attendait pas du tout, malgré un premier tour qui était annonciateur d'une belle performance, c'est que les Réunionnais ont rattrapé dans le deuxième tour et les Seychellois et les Malgaches. Donc une grosse perf. Ils ont même fait un deuxième tour plus rapide que le premier, malgré des conditions de vent difficiles sur le retour. Johnny ? Oui, Johnny, avec moi, le Allez-y, Pascal. Oui, le vainqueur du triple saut. Hein. Félicitations à Jonathan Drac qui a tué le concours dès le premier saut. Belle victoire, belle médaille d'or, votre sentiment ? Je suis très content, c'était une médaille voulue, donc je me suis préparé pour depuis toute la saison. Donc je suis très content de la performance et comme vous l'avez dit, dès le premier saut, donc ça enlevait déjà de la pression et ça mettait de la pression sur les adversaires plutôt, donc je suis très content. Les deux Réunionnais font deuxième et troisième, vous étiez vraiment très fort aujourd'hui. Je pense que oui, j'étais vraiment très fort et les deux Réunionnais avaient battu au Seychelles, donc c'était un peu une revanche, donc chacun son tour on va dire, mais aujourd'hui je savoure ma médaille, donc je suis très content. Et vous allez maintenant repartir avec des nouvelles aventures. Exactement, donc dans 3 semaines j'ai les championnats du monde. Donc il va falloir se reconcentrer, se remobiliser pour finir la saison en beauté, on va dire. Merci Pascal et merci à Jonathan Drac, le vainqueur donc du concours du triple saut. Allez, on va aller maintenant au départ du 100 mètres non-voyant dames, avec au départ Elvina Vidot et son guide. À côté d'elle, la Mauricienne Andorra Julie Osun. Alors vous le disiez, Luc, il faut que le stade soit presque plongé dans le silence pour que justement ils puissent entendre les consignes de leur accompagnateur, de leur guide. Voilà, et vous le voyez, il y a mixité. Hein. C'est pas forcément une guide pour une athlète. Attention départ. Voilà, c'est parti. Et le duo composé d'Alvina Vidot et de son guide eh bien, prend les devants dès la mi-course pour s'imposer avec à peu près 10 mètres d'avance sur la Mauricienne. Victoire donc d'Alvina Vidot, la vice-championne d'Europe du 100 mètres dans cette finale 100 mètres non-voyant. Finale dame. Voilà, encore une très belle image donc, de fair play et d'amitié ici entre Elvina et Andorra. Et la victoire pour La Réunion sur cette distance. Malatzaï, Myriam, pour Mayotte, Lopez, Peggy. Oui, Elvina, effectivement, qui s'impose. On a vu, il y a eu 2 petites fautes à un moment. Il y a eu comme une perte d'appui c'est vrai, au bout de 40 mètres. Mais c'est vrai que leur fin de course, c'est quand même assez époustouflante. Et vous allez voir que le guide à un moment donné va la lâcher carrément pour la laisser finir presque toute seule. Oui, comme pour lui dire vas-y, c'est ta victoire. Voilà, on va le revoir de face. À un moment, il y a eu 2 appuis difficiles. Il a fallu qu'ils communiquent entre eux pour se remettre. Vous voyez, la petite perte d'équilibre. Voilà, là. Ouais, elle était en train de sortir de son couloir. Donc là, le rôle important du guide pour la remettre dans le droit chemin. Mais 13 secondes 26, c'est son record à Elvina, c'est une belle performance. Hein. J'invite beaucoup de gens. Avec eh bien, tout simplement la médaille d'or pour Elvina Vidot. Félicitations Elvina, très belle course, votre sentiment. Bah, je suis super fière, surtout que j'ai été blessée cette année, donc je m'y attendais pas. Et surtout, c'est la première médaille d'or de ma carrière, donc je suis super contente. Super contente et surtout vous confirmez, vous étiez favorite et vous avez répondu présente. Ouais, ben j'ai essayé et voilà. Et tout ça, c'est aussi grâce à mon guide sans qui je pourrais pas courir et qui m'aide à m'entraîner et qui est aujourd'hui là sur la course
Voilà. On dira un petit mot au guide, mais également un petit mot sur votre fin de course. Il y a quand même quelques pertes un petit peu difficiles sur la fin, mais vous avez tenu bon. Ouais, en fait, je pense qu'à cause du vent, j'arrivais pas vraiment à courir droit. Du coup, j'allais un peu à gauche, un peu à droite. Et à la fin, je suis rentrée un peu dans lui. Du coup, ça m'a ralenti. Et après, c'est un peu dur de continuer de faire du sprint, quoi. Parce que forcément, on perd un peu de vitesse en se cognant. Félicitations et un petit mot rapide également avec celui qui vous accompagne, hein, qui a partage également cette médaille, votre sentiment également sur cette course, maîtrisée de bout en bout, même s'il y a eu quelques petites erreurs sur la fin. Exactement, c'est ça. Très content, très heureux d'être chez elle et de venir à La Réunion, de gagner la médaille d'or. Une petite frayeur au milieu, mais sinon ça aurait pas été marrant. Parfait. Merci Pascal, merci. Bravo. Un grand bravo à Elvina Vidot, vainqueur de ce 100 mètres non-voyant avec son guide. Voilà, petite perte d'équilibre, mais ils ont réussi à se remettre dans le droit chemin pour terminer loin devant. Et ça fait une médaille d'or, sa première médaille d'or. Elle est très contente, elle l'a dit, donc de décrocher sa première médaille d'or sur un 100 mètres non-voyant, en tout cas au Jeu des Îles. Elle s'en rappellera en tout cas. Ouais, c'est dire l'importance. Elvina vit en métropole, c'est l'importance pour elle. De représenter la Réunion et de remporter cette médaille à domicile. C'est une compétition internationale, il y a une grande fierté et on comprend, on est vraiment heureux pour elle. Et dans la foulée, nous allons assister au 100 mètres, la finale du 100 mètres non-voyant homme, avec cette fois-ci trois duos, puisqu'on va parler de duos, trois duos donc au départ. Avec Roro Rajoanarivelo pour Madagascar, couloir numéro 1. La Réunion sera représentée par Dominique Déchard. Et au couloir numéro 3, le Mauricien Henri Rosaire Marianne. Oui, et le Réunionnais qui a comme guide Ronan Quéré, qui est un ancien coureur de 400 mètres haies, qui continue à s'entraîner, à courir, et qui œuvre dans le sport santé. Il est coach également. Voilà. Le voici le duo réunionnais avec Dominique Déchard. Donc voilà, il y a quand même un travail de précision. Bon, il y a un lien, vous le voyez, cette petite corde noire là qui relie les deux sprinteurs. Et après, on le répète, tout est question de coordination, de consignes également pendant la course. Ça demande quand même pas mal de précision. Hein. Ouais, et la pratique handisport qui s'est énormément développée, et tant mieux, hein, ça veut dire que les personnes qui souffrent de handicap ont envie de faire du sport. Il y a eu les championnats du monde à Lyon il y a 2 ans qui ont été un formidable succès avec énormément d'athlètes. C'était télévisé sur la télévision, sur France Télévisions. Et une grosse reconnaissance pour les athlètes. Et petit à petit, sur les Jeux des Îles, on voit que les épreuves se multiplient et c'est une bonne chose. Et oui, croyez bien qu'à Réunion Première, eh bien, nous sommes très très contents de donner ce gros coup de projecteur sur la pratique handisport et du sport adapté, puisque nous suivrons tout à l'heure également les sprints du sport adapté. Et c'est, ma foi, comme les années précédentes, le handisport et le sport adapté qui tiennent bien leur place maintenant au programme sportif des Jeux des Îles. La présentation des concurrents pour cette finale du 100 mètres non-voyant. Couloir numéro 1 donc, Roro Rajoanarivelo. Couloir numéro 4 donc, Dominique Déchard et son guide. Ronan Quéré. Et la troisième équipe engagée dans cette finale, Henri Rosaire Marianne pour l'île Maurice. Les trois duos sont maintenant aux ordres du starter. Avec un vent malheureusement toujours défavorable, fortement défavorable, ce qui doit ajouter à la difficulté de ces athlètes et ce qui sera un élément important également pour la finale du saut à la perche qui se prépare dans la ligne droite opposée avec l'échauffement des athlètes.
Le temps de se placer. Et cette finale de 100 mètres non-voyant pourra être lancée malgré le vent. Voilà, c'est parti pour cette finale du 100 mètres avec un très bon départ du duo mauricien là qui accélère et qui va s'imposer sans problème. Premier Maurice, deuxième La Réunion, alors que le duo malgache donc a chuté dans les 10 derniers mètres. Il repart, il passe quand même la ligne. Victoire du mauricien Henri Rosard Marianne. Encore cette belle image de fraternité à l'arrivée. Une belle impression, hein, les deux mauriciens avec leurs chaussures jaunes. Là, c'était une belle impression, une très belle course. Les Réunionnais, il y a eu 20 mètres où les trois équipes étaient ensemble, les trois duos, et puis ensuite les mauriciens se sont envolés. Voilà, j'espère que l'athlète malgache ne s'est pas fait mal sur sa chute. Il a pu se relever et terminer à la troisième place pour aller chercher la médaille de bronze. Voilà, c'est ça qui est important. À la troisième place, elle représente La Réunion. On va certainement revoir cette finale de 100 mètres. Donc, au ralenti avec la victoire de ce duo mauricien. Regardez cette accélération dans les derniers mètres. Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation devant Dominique Deschard. Gros plan maintenant sur les vainqueurs. Belle foulée, belle amplitude, belle envergure et belle coordination également. Ouais, de beaux gestes, des vrais gestes de sprinter. La seule différence, on la voit au départ où les athlètes sont obligés de se relever tout de suite. Vous savez que sur un sprint normal, il y a une phase de poussée où l'athlète reste penché. Là, il se relève tout de suite pour des raisons qu'on comprend. Il faut trouver une coordination. Mais voilà, il court droit. Regardez l'athlète non-voyant de Mauricien, il est droit sur sa ligne. Vraiment, c'est du haut niveau. Hein. C'est du haut niveau sur de la course non-voyant. Puis alors, quelle joie à l'arrivée. Ah, superbe joie de Henri Rosaire Marianne. En tout cas, c'est une victoire qui ravit également notre collègue caméraman François Gibé, hein, qui est lui aussi un grand amateur de l'athlétisme. Ouais, et qui est très content de voir un de ses compatriotes gagner la course. Ouais, puis je crois que c'est avec justement le vainqueur de 100 mètres non voyant, Henri Rosaire Marianne. Félicitations, belle joie à l'arrivée. Votre sentiment après ce beau succès? Je suis très content pour ma première participation. Et à 36 ans, je ne savais pas que j'avais de médaille d'or au jeu. Je suis très fier. Je veux dire merci à mon guide qui m'a soutenu tout au long de l'année et tout au long de mes entraînements. Et un grand merci à mon coach, Jean-Pierre Mal. Vous avez été fort, notamment à la fin, dégageant une puissance. Donc c'est le travail équipé. Ah oui, c'est le travail équipé. C'était vraiment dur les entraînements. Trois fois par jour, c'était vraiment dur. Et une belle médaille d'or à l'arrivée. Ah oui. Et merci. Maintenant, j'espère briller sur le podium aux Jeux d'Afrique. Ça s'est déroulé en septembre au Congo. Bravo à vous. Merci Pascal. Et on va se diriger vers la première cérémonie protocolaire de ces Jeux, de ces finales d'athlétisme avec la cérémonie protocolaire du semi-marathon d'âme qui s'est déroulée ce matin très tôt, on le disait, à 7h du matin, et remportée par cette dame au milieu en rouge, Marinette Milazar. Alors que je vous raconte un peu la fin de cette course, mon cher Luc, il faut savoir que la Malgache, pendant longtemps, a mené cette épreuve. Arrivée sur le tartan du stade olympique à quelques 200 mètres, elle a eu une petite défaillance, on ne se l'explique pas encore. Et Marinette Milazar en a profité pour la passer et terminer vainqueur donc de ce semi-marathon. Première épreuve du genre donc au programme officiel des Jeux des îles, car jusqu'à maintenant il s'agissait de marathon, mais désormais il faudra s'habituer à courir un semi-marathon et en début des Jeux. Anatia, troisième de ce semi-marathon, médaillée de bronze pour La Réunion. Ouais, c'est bien pour Anne qui est athlète mais qui est également dirigeante entraîneur à l'ADIS Saint-Louis. Là, qui est un exemple. Qui est un exemple pour les jeunes de son club. Raza Fitra Vélo.
Razaf Indravelo, la malgache, médaillée d'argent. On vous le disait, longtemps on a cru qu'elle allait s'imposer sur ce semi-marathon avant de se faire coiffer sur la fin par, eh bien, par une grande dame, Aline Maurice. Représentée par quelqu'un de sa délégation. Et à la première place, elle représente Maurice, Milazar, Antoinette. Antoinette Milazar, vainqueur du semi-marathon dames ce matin. Antoinette Milazar, qui est une qu'on connaît un petit peu sur le trail. En fait, elle est originaire de l'île Rodrigue. Voilà, il faudrait savoir si elle est de la famille d'Éric Milazar, qui avait gagné plusieurs Jeux des îles sur 400 mètres, un des meilleurs athlètes mondiaux. Et qui avait participé à des Jeux olympiques aussi, me semble-t-il. Exactement. Et en fait, on a eu l'information que la deuxième athlète sur le podium n'est pas l'athlète qui a terminé deuxième ce matin. Elle n'est pas là, elle n'a peut-être pas été prévenue. Voilà, elle s'est fait représenter. Effectivement, on vient de l'entendre. Alors, on va entendre maintenant l'hymne national mauricien. Pour le podium du semi-marathon dames sur la plus haute marche, Antoinette Milazar qui s'est imposée ce matin en 1h25 minutes et 20 secondes devant Razaf Indravelo, la malgache, à 16 secondes et troisième, la réunionnaise Anatia. Les trois dames sur le podium pour la pause photo. Tiffany. Pour la réunion au couloir numéro 4, speaker Emma. Au couloir numéro 5, Fred Angèle. Pour Madagascar, au couloir numéro 6, on va aller voir. Et au couloir numéro 7, pour Maurice. Et nous sommes au départ du après le handisport, et bien place au sprint du sport adapté. Finale du 100 mètres. Dame. Avec une absente malheureusement au couloir 6. Johnny. Le départ de ce 100 mètres dames sport adapté avec au couloir numéro 2, et bien la malgache Krasela, me semble-t-il, qui va s'imposer. On était un peu pris au dépourvu car cette course était prévue pour juste dans un peu plus dans 10 minutes après, me semble-t-il, ou non. Oui, Johnny. Attendez, on va juste revenir peut-être sur cette course du 100 mètres. Oui, avec un doublé malgache. Adapté. Voilà, doublé malgache avec Todisoa et Grassela et Razana Maharo. Françoise, on va peut-être la revoir cette course si notre réalisateur Patrick Nianlo veut bien nous la lancer. Car ici, à notre table de commentaires, on a été un peu pris au dépourvu. Car on s'attendait à autre chose. Mais oui. En tout cas, on l'a bien suivi, les téléspectateurs ont bien suivi cette finale du 100 mètres sport adapté, 100 mètres dames sport adapté. La vainqueur, c'est elle, Todisoa. Elle a également une très très belle course avec une très belle fin de course et une formidable foulée. Oui, Pascal. Avec Antoinette Milazar qui a gagné le semi-marathon eh bien, ce matin. Antoinette, très belle victoire, ça fut difficile, mais je pense que la joie est là. Oui, bien sûr, pour avoir une médaille, c'est pas facile. Mais malgré les concurrents malgaches, des malgaches sont très forts, mais quand même, j'ai suivi. Ça s'est joué dans le dernier tour finalement.
sur la piste. Votre médaille d'or en appel d'autres maintenant, vous allez vous reposer ou vous allez suivre vos compatriotes mauriciens? Oui, je suis très heureuse. Et je remercie mon entraîneur, M. Zanuel Mizette, et la commission aussi, la fédération, et M. Maïd Félicitik m'a aidé dans mon stage à Maurice. Bravo à vous. Antoinette Milazar, vainqueur du semi-marathon d'âme. Alors ce matin, beaucoup de gens se posaient la question si Maurice s'était déjà imposé dans les épreuves de fond semi-marathon-marathon. Et un des dirigeants de la délégation mauricienne nous avait précisé et rappelé avec une certaine fierté qu'en 1990, au troisième jeu à Madagascar, et il y avait Marie Justin qui s'était imposée sur le marathon en 1990. Antoinette Milazar n'est donc pas la première mauricienne à remporter une épreuve de ce genre. Direction la ligne de départ pour maintenant la finale du 100 mètres messieurs sport adapté. Avec donc couloir numéro 2, le mauricien Stéphane Louis. Ronnie Romine représentera les Seychelles. Didier Julie Maurice. Le malgache Randriana Mimaefa. Couloir numéro 5, le réunionnais Dominique Casimir, couloir numéro 6, et le Seychellois Peter Valentin. Dominique Casimir qui s'était déjà illustré, me semble-t-il, au Seychelles. Oui, et puis qu'on voit chaque année sur le meeting international de Saint-Denis, il est toujours là. Voilà, on va voir. Tout à l'heure, donc, sur la course femme, on a une victoire malgache, la deuxième place pour la mauricienne, finalement, et la Seychelloise a pris la troisième place. Alors, on profite de l'attente du départ pour dire, comme pour les athlètes handisport, hein, et les jeunes du sport adapté, allez taper à la porte du comité régional. Il y a des bénévoles, il y a des entraîneurs qui sont là pour vous faire découvrir l'activité physique. Johnny, moi j'ai rencontré un jeune cette année qui est athlète handisport, enfin qui pourrait être athlète handisport et qui n'ose pas parce qu'il a un certain complexe. Oui. On a essayé de le convaincre de se mettre à l'activité physique parce que c'est quelqu'un qui est doué. Et voilà ce qu'on invite, c'est un petit peu difficile d'en parler, mais on invite vraiment les athlètes, les jeunes athlètes handisport à se mettre à cette pratique. Ils sont donc 2, 4, 6 candidats à la médaille d'or sur cette course, sur ce 100 mètres réservé au sport adapté. Avec Dominique Casimir, le représentant de La Réunion, couloir numéro 6. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on prend tout son temps pour se préparer, pour bien ajuster ses baskets, pour bien se caler dans les starting blocks. Le voilà, Dominique Casimir. Voilà, avec la flamme des jeux qui continue à flamber. Le volcan s'est terminé. Mais le volcan du stade olympique continue à flamber. Encore pour toute une semaine. Voilà, les sprinteurs qui continuent à se préparer. On a également les perchistes qui continuent à se préparer là-bas dans la ligne droite opposée. Et puis les lanceuses de poids qui sont à l'échauffement. L'occasion de rappeler le programme, le reste du programme. On suivra également le concours donc du poids dame, le concours de la perche homme, mais également les finales du 100 mètres, 100 mètres dame, 100 mètres homme, finale de la longueur sourd homme, finale du 100 mètres haie et finale du 10 000 mètres dame. On parlait tout à l'heure pas d'hégémonie, mais de la domination des Malgaches sur les épreuves d'athlétisme d'une façon générale. Et si on se fie aux derniers résultats de 2011, c'est vrai que la Réunion s'est plutôt imposée dans les concours plutôt que sur les sprints. Oui, chacun un peu à sa spécialité. Le demi-fond, c'est pour Madagascar en général, le sprint féminin aussi. Cette année, il faudra faire attention aux Réunionnais sur le sprint féminin, on va le voir tout à l'heure. Les Mauriciens sont pas mal sur les sauts. Voilà, il y a des individualités seychelloises. On sait que les Réunionnais sont brillants sur les lancers. On a les Maorés aussi qui vont être bien sur les lancers.
C'est dommage que, effectivement, sur le demi-fond, les Comoriens auraient eu des choses à démontrer. Alors que l'on voit en arrière-plan de ce perchiste le président de la Ligue réunionnaise d'athlétisme, Gilles Hubert, chemise noire, pantalon clair, à ses côtés de nos confrères Pierre-Yves Verseny et Lucas Garcia. Pierre-Yves Verseny qui avait participé en 79 aux Jeux des Îles. Alors que le concours à la perche est lancé. Et que les coureurs du 100 mètres de sport adapté sont sous les ordres du starter. Alors on repartira à la perche dans quelques instants, mais on va pour l'instant s'intéresser à cette finale du 100 mètres hommes sport adapté. Car juste après, me semble-t-il, on aura droit à la cérémonie protocolaire du concours du triple saut. On les voit déjà, les trois protagonistes. Allez, les trois vainqueurs. Mais d'abord, cette finale du 100 mètres hommes sport adapté, avec le représentant de la Réunion, Dominique Casimir, et le Seychellois, Peter Valentin, qui représente donc les Seychelles. Qui sera le plus rapide de ces six garçons? On va le savoir dans peu de temps. Voilà, c'est parti, plutôt fort pour Dominique Casimir, mais le candidat séchillois, me semble-t-il, là, qui accélère et qui s'impose loin devant tous les autres. Victoire éclatante de Ronnie Romin, me semble-t-il. Encore une très belle course de cet athlète du sport adapté. C'est un Mauricien, me semble-t-il, qui s'est imposé. Oui, ça a été... C'est Stéphane Lui. Ouais, difficile pour nous, Johnny, de vous dire, parce qu'en fait, la feuille de course que nous avons reçue ne correspond pas au couloir. Alors ce serait Louis Stéphane donc qui serait imposé. Alors, ce serait bien d'avoir le temps de ces sprinters. Ouais, belle attitude, hein. On l'avait vu à l'échauffement sur les starting blocks. J'ai cru que c'était un athlète de la finale du 100 mètres. La cérémonie protocolaire du concours du triple saut avec médaille de bronze pour Olivier Huette. On l'a vu, médaille remise par ce monsieur. C'est le président de la Fédération française d'athlétisme. Médaille d'argent pour Stéphane Grézé. Stéphane Grézé accompagné par ses bambins là, sur la deuxième marche du podium. Pour la médaille d'or. Oui, monsieur Amsalem donc qui remet les médailles. Drac Jonathan. Et le grand vainqueur de ce concours du triple saut, le Mauricien Jonathan Drac, avec un triple saut, on vous le rappelle, à 17,05 m, réussi dès son premier saut. Et en fait, M. Amsalem, qui est président de la Fédération française d'athlétisme, qui a remis les médailles à trois licenciés de la Fédération française d'athlétisme, puisque le Mauricien est licencié au CA Balma, un club de France. C'est là qu'il s'entraîne. La France qui accueille beaucoup d'athlètes issus de l'Afrique. Il y a des accords avec la Confégès, des accords sur l'entraînement. Voilà, les entraîneurs français qui apportent leur savoir-faire aux athlètes africains et vice-versa. On a aussi des athlètes français qui vont s'entraîner régulièrement à Dakar ou au centre d'entraînement à l'île Maurice. Et on va bien sûr entendre l'hymne mauricien pour célébrer la victoire de Jonathan Drac. Alors que le concours à la perche est lancé, on va demander à notre camarade Pascal Taïlamé d'aller peut-être prendre les premières informations sur ce concours. Oui, déjà un troisième essai à 4,10 m pour le malgache.
Alors ça bouge un peu dans tous les coins du stade en ce moment. On voit que les finalistes du 100 mètres dames se préparent également, s'échauffent avec notamment Myriam Jalma. Il y a une très belle empoignade également qui se prépare sur cette discipline. Est-ce que Myriam Jalma sera toujours la meilleure sur cette distance alors que l'on attend toujours que démarre l'hymne mauricien? Voilà, le troisième essai au saut à la perche pour l'athlète mauricien Yannick Klam à 4 mètres 10, si j'ai une bonne vue d'ici. C'est compliqué hein, d'ici de voir, mais je pense que Pascal est juste maintenant au pied, juste à côté du concours de la perche. Il va nous faire le point sur ce concours de la perche, mon cher Pascal Taillamé. Ben, troisième essai, là, effectivement, 4 mètres 10 pour le Mauricien. Est-ce qu'il va le passer? Et non, il ne le passe pas. Donc, troisième essai pour le Mauricien qui est raté. Je vous fais un petit point dans quelques secondes par rapport à ce concours. D'accord, question de savoir qui mène ce concours de la perche, concours très très attendu, car les Réunionnais, mon cher Luc, sont attendus, sont annoncés favoris dans ce concours, avec notamment Ruben Gadeau qui s'était imposé. Alors, on va d'abord écouter l'hymne mauricien en l'honneur de Jonathan Drac. Voilà donc, l'hymne s'est fait attendre, mais voilà, il a résonné dans le ciel Saint-Paulois en l'honneur donc de Jonathan Drac, vainqueur du concours du triple saut, avec à ses côtés Stéphane Grézé, médaillé d'argent, et Olivier Huette, médaillé de bronze. Le concours de la perche a commencé depuis 17h30. On le disait, mon cher Luc, que c'était un concours très attendu, car les Réunionnais sont annoncés favoris, avec notamment Ruben Gadeau, qui avait remporté la médaille d'or aux Jeux des Îles 2011 au Seychelles, mais il y a également un garçon qui s'appelle Raj Narayanasamy qui avait également réussi 5 mètres 10, des garçons très très attendus dans ce concours, un concours qu'on espère vraiment grandiose. Oui, on peut peut-être. Et le Mauricien, il y a déjà un Mauricien éliminé. C'est un concours où on peut imaginer éventuellement un triplé réunionnais. Avec le jeune Jérémy Hubert. Effectivement, Jérémy qui est un des meilleurs Français chez les cadets. Raj Narayanasamy qui vient de participer au championnat d'Europe junior. Il a fini 13e des qualifications, donc c'était le premier non qualifié pour la finale. Il a sauté 5 mètres 10 cette année. Il est entraîné par Alain Caristan. Et puis Ruben Gadeau, le D4ème. Et on prend la direction du départ de la finale du 100 mètres dames dans l'immédiat. Et bien, pour Mayotte, Bakar Nasran. Avec au départ donc de cette finale du 100 mètres dames, Olivia Mazo pour la Réunion, couloir numéro 1. Joanne Loutois. Myriam Jalma, c'est elle la médaillée d'or en titre, vainqueur aux Seychelles. Au couloir numéro 6. Couloir numéro 5, Maurice, la malgache d'Edith Saravola. Couloir numéro 6, Joannella Janvier, la mauricienne qui avait réussi le meilleur temps des séries ce matin. Elodie Mboni, la malgache, couloir numéro 7. Et enfin, couloir numéro 8. Amélie Anthony, la mauricienne. Je vous rappelle que ce matin, c'est la mauricienne Joannella Janvier qui avait réalisé le meilleur temps des séries avec 12 secondes 20 dans des conditions de vent quand même assez désagréables. À suivre également cette jeune mahoraise Nasran Bakar, couloir numéro 3, qui avait réalisé ce matin 12 secondes 33 ce matin en série, alors que Jalma avait seulement réalisé le 5e meilleur temps des séries. Alors attention, les finalistes du 100 mètres aux ordres du starter.
Ça va jouer un peu. Hein. Myriam Jalma, la tenante du titre, qui a le record personnel. Et puis la Mahoraise au couloir 3. Voilà, et c'est parti. Ah, il y a un faux départ. Alors, vous allez nous rappeler la règle en cas de faux départ. Est-ce que la règle internationale vaut également pour les Jeux des Îles, à savoir celle qui fait le faux départ est éliminée? Alors non, on a le droit à un faux départ général. Ensuite, effectivement, sur le deuxième départ, la première sera éliminée. Je ne vois pas qui a fait le faux départ, je n'ai pas vu. Alors, on l'attribue au couloir 2. Voilà, c'est la Seychelloise Joanne Loutois. Joanne Loutois. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, ce faux départ, pour Myriam Jalma, qui avait plutôt raté sa mise en action, la réunionnaise. Donc, c'est elle qui a le meilleur record personnel. Donc, on en fait une des favorites, effectivement, c'est la tenante du titre. Il y a la Mauricienne qui a fait le meilleur temps des séries, Johanna Janvier. Et puis, celle qui a réalisé le meilleur temps cette année, c'est la Mahoraise Bakar, en 11,77. Alors, elle s'entraîne à Agen. C'est une militaire. Et puis, on va suivre également Darlène Mazot. Olivia Mazot, pardon, au couloir 1. Alors, il me semble, regardez, Joanne Loutois, la Seychelloise, qui se met de côté. On est bien dans les règles, les règles internationales, à savoir faux départ égal élimination. Et voilà, et c'est très malheureux pour Joanne Loutois. Et on va repartir pour un deuxième départ, en espérant que cette fois-ci, les finalistes suivent vraiment le starter. Une prétendante en moins, la Seychelloise Joanne Loutois. Autant pour moi, Johnny, c'est dur parce que à l'œil nu, franchement, on n'a rien vu. Finale du 100 mètres dames. Est-ce que Myriam Jalma restera la meilleure de l'océan Indien? On va le savoir de suite. Avec peut-être un meilleur départ pour Myriam Jalma. Mais attention, avec au couloir numéro 1, Olivia Mazot qui produit son excellent. Mais Jalma également, Jalma au coude avec la Malgache. Oh là là, ça va se jouer vraiment à très très peu de choses. Alors la Malgache ou Jalma, la Mahoraise avait fait vraiment le meilleur départ. Une grosse mise en action et puis après, elle n'a pas tenu. Un très bon retour de Myriam Jalma, mais également d'Elodie Mboni. On va certainement revoir cette arrivée au ralenti. Et surtout essayer de récupérer un temps, Pascal, car nous sommes sevrés de temps à l'arrivée depuis le début de cette compétition. Ce qui est sûr, c'est qu'Olivia Mazot ne sera pas sur le podium. Elle était esselée au couloir 1. On va la revoir, Olivia Mazot qui fournit ici son effort au couloir numéro 1. Jalma au coude à coude, mais on va voir avec Nazca, et on va voir peut-être Jalma avec Mboni. Oh, Jalma Mboni, c'est... Oh là là, c'est limite. Hein. Alors c'est la ligne d'épaule qui compte. Mboni Jalma, restez à l'affût, mon cher Pascal Dailamé, pour voir ce qu'il en est exactement. Oui, restez à l'affût. Dites-nous dès que c'est terminé, qui a gagné et qui a perdu. Mais écoutez, il semblerait que c'est la Malgache qui ait gagné. Et effectivement, la Malgache qui aurait gagné, c'est bien ça. Elle gagne effectivement. Dédi Tsaravola qui gagne. Et deuxième, c'est Myriam Jalma. Et troisième, c'est Bakar Nasran. Donc voilà, je suis à côté de celui qui prend effectivement ses notes. C'est bien la Malgache qui a gagné, me semble-t-il. Alors, est-ce que c'est la Malgache Dédi ou la Malgache Mboni? Non, c'est à l'extérieur. Je pense que c'est Elodie Mboni qui s'impose. Ça ne va pas jouer à grand-chose. C'est le Sahara numéro 39. Nous, on a plutôt vu. On va peut-être demander à Patrick Nierlot. Il nous semble que c'est Mboni, couloir numéro 7, là, de Sar 38, qui a remporté ce 100 mètres. S'il vous plaît, Patrick Nierlot, est-ce qu'on peut recaler l'arrivée de cette finale du 100 mètres dames pour qu'on puisse avoir une idée beaucoup plus précise? En tout cas, ça s'est joué, vous le disiez, bien avant que ça allait se jouer à très, très peu de choses. Là, voilà cette finale avec, on va voir, Olivia Mazot à la corde là, qui va poursuivre son accélération. Jalma là au coude à coude avec la jeune Mahoraise et va surgir de ce coin Elodie Mboni. Attendez, pas là, on la voit pas sur ce plan là en tout cas, on va la voir, mais elle va apparaître à un moment donné à l'extérieur, effectivement, dans le champ. Ah, ça va se jouer, c'est vraiment Elodie Mboni donc qui s'impose, mais vraiment d'une très courte tête devant Myriam Jalma. Elodie Mboni, donc Madagascar qui s'impose
Johnny. Essayez de récupérer également le temps de la vainqueur si vous l'avez, mon cher Pascal. Oui, Johnny, écoutez, c'est un petit peu l'indécision ici sur la ligne d'arrivée. On s'est mélangé les pinceaux au niveau des dossards et là, on va vérifier. Celui qui a la feuille dans les mains, eh bien, va monter en haut. Alors, je ne sais pas où, au niveau du chronométrage, à votre niveau, puisqu'il va. Oui, il me semble, c'est couloir numéro 7, Elodie Mboni qui a gagné. En tout cas, sur la fiche d'engagement, le couloir numéro 7, c'est Elodie Mboni avec. Le dossard numéro 38. Alors, le souci, c'est que quand je la questionne, et l'Odien Bonny, eh bien, elle-même, elle n'est pas sûre, là, puisqu'elle me dit, ben, elle va attendre, parce qu'elle n'a pas encore confirmation de sa victoire. Voilà, ça, c'est vrai que c'est très, très, très serré. À rester, en tout cas, à l'affût. D'ici là, eh bien, on va passer à la finale du 100 mètres homme qui se prépare. Mais juste avant, il y aura une cérémonie protocolaire. En tout cas, vous annoncez une finale de 100 mètres très serrée chez les dames. Ça a été très serré. On est couloir 7, couloir 4, couloir 3, ça c'est sûr. Couloir 7, il doit y avoir un centième d'écart. Hein. Ça se joue à la ligne d'épaule. Il représente Maurice. En attendant les résultats officiels donc, du 100 mètres, on va assister à la cérémonie protocolaire du semi-marathon masculin. Et il y a le lancer de poids qui a commencé également. Le semi-marathon masculin remporté ce matin par le Malgache avec sur la troisième marche du podium le Mauricien Jean-Luc Villebrun. Seconde place, il représente Madagascar, Rakoto Malala Jean. Sur la deuxième marche du podium du semi-marathon homme, Jean Delacroix, Rakotomalala, Madagascar. Et le grand vainqueur, c'est lui. Parani, Adja. Adja Nirina, Andriam Parani, qui vient souvent courir à La Réunion, qui gagne souvent à La Réunion. Et il s'est imposé ce matin en 1h08min42 devant son compatriote à 9 petites secondes. Troisième, Jean-Luc Villebrun, en 1h10. Et François Lebon, le Réunionnais, finit à la quatrième place. François Lebon, qui, on le rappelle quand même, en 2011, avait gagné le marathon. Il nous avait fait gagner la Réunion avec cette 58e médaille d'or. Voilà, un trio avec domination malgache sur le semi-marathon. Alors on garde une oreille rivée vers Pascal Taillamé pour voir si le résultat officiel du 100 mètres dames est tombé. Eh bien, Johnny, je vous dis que c'est la décision la plus totale. Même Myriam Valma qui est là, eh bien, elle est assise, elle lève les bras, elle ne sait pas trop. La malgache, quant à elle, elle attend également. Elle nous dit effectivement que pour l'instant, ben, elle ne sait pas. Pour elle, elle a gagné, mais elle attend les résultats officiels. Et c'est un peu le flou artistique, on va dire, là, sur cette ligne d'arrivée pour le 100 mètres féminin. À mon avis, les juges devraient voir d'abord l'hymne de malgache et on revient. La victoire d'Adja Nirina, Andriam Parani pour Madagascar sur le semi-marathon homme, c'était ce matin. Doublé malgache donc sur cette épreuve, alors qu'on est toujours dans l'attente du résultat final et officiel du 100 mètres dames. Finale 100 mètres dames, on a vu que cela s'était joué à très peu de choses. Et à mon avis, mon cher Luc Bizuern, cela devrait. Eh bien, les juges sont en train de scruter, à mon avis, la photo finish. Oui, alors on peut départager les gens au centième. Et puis si ça ne marche pas au centième, on le fait au millième de seconde. Et puis si au millième de seconde, on ne parvient pas à les départager, mais figurez-vous qu'on les fait recourir.
Donc on pourrait, c'est déjà arrivé, les deux athlètes se retrouvent et font la finale ensemble. Johnny. Très rapidement Pascal, oui. Car on va donner le départ du 100 mètres homme. C'est bien le numéro 38 malgache qui a gagné ce 100 mètres. C'est donc Elodie Mboni. Est-ce que vous avez le temps mon cher Pascal? Car ici nous sommes sevrés de résultats. Elodie, un petit mot rapide, c'est confirmé, victoire sur le 100 mètres. Belle satisfaction. Excusez-moi. Juste après la finale des garçons, un petit mot avec vous. La présentation des finalistes du 100 mètres hommes, mon cher, avec couloir numéro 1, Julien Meunier, le Mauricien. C'est lui qui détient la meilleure performance de la saison des engagés, mais il est au couloir 1, il n'a pas fait une bonne série. Couloir numéro 2, le Maoré Jassim Amada. Jean-Yann. Couloir numéro 3, le Mauricien Jean-Yann de Grasse. Dermont Anila. Darbon, Anila et Dino. Au couloir numéro 5. Le Saint-Pierrois, 10-69. Le Saint-Pierrois, 10-69. Dylan Soko, le Seychellois. Au couloir numéro 6, pour les Maldives, Saïd Hassan. Saïd Hassan, c'est le garçon qui a fait très très forte sensation ce matin. Il a réalisé le meilleur temps des séries. Fabrice. Pas un inconnu, il s'agit donc du porte-drapeau. Fabrice Coiffé, que le Mauricien, c'était le vainqueur en titre à Maurice, vainqueur du 100 mètres. Oui. Et enfin, Tommy Tadahi. Bon, visiblement, les ordres sont inversés. Tommy Tadahi, le malgache, sera donc couloir numéro 8 et Fabrice Coiffé au couloir numéro 7. Oui, et une information, c'est qu'on ne voit pas sur la ligne de départ Ajatiana Rondriana Solo. Alors qu'il est sur la feuille de la finale. Alors qu'il était sur cette feuille de la finale. C'est assez curieux. En tout cas, on va la suivre, cette finale du 100 mètres homme. Est-ce que Fabrice Coiffic, le Mauricien, gardera sa couronne ou est-ce que le jeune Maldivien Hassan Saïd continuera à faire comme ce matin? Voilà, c'est parti avec encore une fois un très très bon départ du Maldivien Hassan qui fournit ici son effort à la lutte avec le Mauricien de Grasse. Et c'est Hassan Saïd, le Maldivien. Le Maldivien, vous le disiez ce matin, il avait réalisé le meilleur temps des séries, 10 secondes 86. Et là, eh bien, il confirme Hassan Saïd, vainqueur donc de ce 100 mètres. Je crois que c'est une grande première dans l'histoire des Jeux. Ouais, car oui. Il me semble que c'est la première fois qu'un Maldivien s'impose sur cette épreuve reine du sprint. Ouais, une grosse impression. 10-48 si j'ai bien vu. Il faudrait qu'on sache que le vent défavorable. Enfin, même si le vent est tombé comme chaque soir à Saint-Paul en général. 10-48, il me semble que derrière on a vu deux maillots rouges. Donc ça serait deux Mauriciens sur le podium avec lui. Hassan Saïd donc, le grand vainqueur de cette finale du 100 mètres messieurs. Il avait fait 10 secondes 86 ce matin en série et il serait bon d'avoir son temps en finale qui s'impose devant le Mauricien de Grasse, me semble-t-il. En tout cas, superbe victoire pour le Maldivien. C'est une première grande, très grande victoire pour les Maldives. Et c'est une victoire d'autant plus importante car il faut savoir que cette année, les Maldives eh bien, fêtent le 50e anniversaire de leur indépendance. Leur chef de mission avait dit que nous venons essayer de faire la meilleure moisson de médailles de toute notre histoire. Et on va la revoir, cette finale, avec vraiment une fin de course époustouflante de ce jeune Maldivien là qui vient coiffer le Mauricien de Grasse. Un formidable fin de course. Et la belle image, ce Maldivien, drapeau tout autour du cou, eh bien, qui salue les supporters. Retenez bien son nom. Eh bien, vous savez, Hassan Saïdi. Vous savez pourquoi, Johnny, le Maldivien est heureux, si heureux. Dites-moi tout. Si mes sources sont exactes, c'est la première médaille d'or de l'histoire des Maldives aux Jeux des îles de l'océan Indien. Alors on affiche un temps à 10 secondes 48. Il a fait beaucoup mieux que ce matin, 10 secondes 86 on le rappelle ce matin.
La différence, c'est le vent, je pense. Hein. Le vent est complètement tombé. Mais c'est donc, ce serait donc la première médaille de l'histoire, la première médaille d'or de l'histoire des Jeux de l'océan Indien pour Maldives, tout sport confondu. Johnny. Oui, Pascal. Oui, avec effectivement, au-delà de la médaille d'or pour les Maldiviens, on a aussi, c'est confirmé, la médaille d'or pour les filles, pour la Malgache Mboni. Alors, belle course, bravo, ce fut dur. On a attendu longtemps et finalement, c'est confirmé, vous gagnez le 100 mètres. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est sûr que c'est confirmé que j'ai gagné le 100 mètres. Bon, je suis très contente d'avoir eu cette course. En plus, c'est ma première médaille d'or sur le 100 mètres durant ces trois Jeux des îles que j'ai participé. Et je suis vraiment très fière. Très fier effectivement, donc d'autant plus que vous battez la favorite, hein, enfin une des favorites qui était médaillée d'or il y a 4 ans, Myriam Jalma, donc ça aussi c'est une grande satisfaction. Oui, c'était une grande surprise pour moi aussi parce que même si on se connaissait depuis longtemps, la course est la course, donc il faut s'attendre à tout quand même. Vous avez un petit mot sur votre temps, vous le connaissez? Non, jusqu'à maintenant non, c'est pas encore entendu. Il n'a pas encore son temps, Johnny. Merci, en tout cas bravo à Elodie Mboni, vainqueur. La Malgache vainqueur de la finale du 100 mètres dames devant Myriam Jalma. Il serait bien aussi, mon cher Pascal, d'avoir une petite réaction de Myriam Jalma qui est détrônée sur cette course reine du 100 mètres. Elle qui s'était imposée en 2011 donc aux Seychelles il y a de cela 4 ans. Mais on va revenir sur la sensation Saïdi, le Maldivien, qui vient de remporter en 10 secondes 48 la finale du 100 mètres hommes. Ouais, c'est la grosse sensation, on peut le dire, de cette première journée d'athlétisme. Ouais, puis un bel athlète, hein. il a vraiment, on a eu l'impression qu'il a accéléré effectivement par rapport aux autres. Alors personne n'accélère au 100 mètres, hein, dans les 40 derniers mètres, dans les 50 derniers mètres. C'est celui qui décélère le moins, en fait, qui donne cette impression. Et on va suivre à la perche à 4,50 m. On a Jérémy Hubert pour son premier essai là-bas dans la ligne droite opposée. Alors, vous avez l'œil en tout cas, car c'est quand même assez loin. Alors Jérémy Hubert, le troisième, ils sont trois réunionnais engagés dans ce concours de la perche. Jérémy Hubert, Ruben Gado. Et le troisième, Raj Narayanasamy. Voilà Jérémy Hubert. Ça ne passe pas pour Jérémy Hubert qui en était à son. On ne l'a pas vu sur le panneau, mais on va le voir. Ouais, c'était son premier essai. Ouais. Et on va retrouver également, il y a le lancer du poids qui a bien avancé avec. On en est déjà au quatrième essai. Elles sont quatre dans ce concours du lancer du poids. Il y a deux réunionnaises, Esther Turpin et Gaëlle Eléra. Eléra, voilà. Bernadette Perrine, la Mauricienne, et Déborah Servina, la Seychelloise, qui vient de lancer. Alors Gaëlle Eléra qui fait son retour à la compétition, enfin en compétition au jeu, puisqu'elle était absente en 2011 aux Seychelles pour cause de maternité, je crois, il me semble. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure en tout cas. Et Gaëlle Eléra qui détient le record des Jeux avec un lancé à 14,75 m, c'était à Maurice au jeu de 2003. Voilà, qui a gagné en 98, qui a gagné en 2003, qui a gagné en 2007, donc elle vise une quatrième médaille d'or au lancer du poids. Alors on va demander à Pascal de nous faire le point également sur le concours de la perche, à savoir qui mène pour l'instant ce concours du saut à la perche. Et là c'est Raj Narayanasamy qui s'élance pour son premier essai à 4,50 m. Sous les yeux de Gilles Hubert et de Pascal. Voilà, le saut de Raj est raté. Est-ce que vous pouvez nous dire, mon cher Pascal, qui mène pour l'instant ce concours de la perche? Eh bien, pour l'instant, Johnny, on ne peut pas vraiment vous dire qui mène. Un petit mot rapidement avec le président, Hubert. Le président, qui mène ce concours à la perche? Puisqu'il y a des manifestants partout à la perche. Comment ça se passe? Bah écoutez, le concours a démuté il y a maintenant un peu plus d'une demi-heure. Deux concurrents sont déjà éliminés. Il reste donc trois concurrents réunionnais et un concurrent mauricien. Un concurrent réunionnais n'a pas encore commencé son concours, c'est Ruben Gado. Sinon, Jérémy Hubert a passé 4,40 m ainsi que l'athlète mauricien. Et Raj a débarré ses concours par un échec à 4,50. Donc on attend, on n'est que vraiment au début. Pascal, est-ce que le candidat éliminé
On attend encore. Posez-lui la question, est-ce que oui. Le candidat éliminé est Daouda Amboudi? Tout à fait. J'étais présent. Daouda a bien été éliminé effectivement de ce concours, Johnny. D'accord. Merci Pascal pour ces précisions. Alors qu'on vient de voir le premier lancer de Gaël et Lelera. Alors là où on était, pareil, on ne voit pas trop le panneau de marque. Et le deuxième saut de Jérémy Hubert. Cette fois-ci, ça passe pour Jérémy Hubert. Voilà, et Gaël Eléara a lancé à 12,57 m. Donc c'était le quatrième essai du concours. On ne sait pas trop où on en est. Sur le saut précédent à la perche, Raj Narayanasamy, s'est fait un petit peu mal. J'ai trouvé qu'il avait sauté avec un élan assez réduit. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il a sauté sur 10 foulées, ce qui est très peu. C'est vrai que la chute a été un peu assez spectaculaire, alors que Jérémy Hubert ici réussit son saut. Deuxième essai pour Raj Narayanasamy. Et s'il remporte une médaille, ça ne sera pas la première médaille de sa famille. Hein. Johnny, vous savez pourquoi? Eh oui, c'est le fils à Jacqueline Apavou, la grande sprinteuse des premiers Jeux de 79 notamment. Exactement. On avait vu sa sœur aussi, à Raj, Carole, faire du 400 mètres avant de partir sur une autre activité sportive. 128, retour au concours du poids avec Debra Servina, la Seychelloise, qui vient de lancer. Cinquième essai d'Elvin de la Seychelloise. Alors on va peut-être rester. Et pendant ce temps-là, Raj a raté son deuxième essai. Il était bien au-dessus, il est retombé sur la barre. Il va falloir qu'ils se remettent les idées au clair. Pour le troisième essai, ça va être difficile. C'est un kit ou double. Hein. 4,50 m, c'est une barre qu'il passe à l'entraînement assez facilement. Après, la perche, c'est une affaire de réglage. C'est une affaire de conditions météo, de forme. Parfois, on peut être très en forme et ne pas réussir de saut. C'est difficile. Voilà, il est au pied du mur maintenant. Il n'aura plus qu'un saut à 4,50 m. Et vous parliez de Daouda Amboudi tout à l'heure, Johnny, effectivement. Alors, toute une histoire autour de Daouda Amboudi. Il y a eu une petite histoire autour de Daouda Amboudi, effectivement, puisque Daouda a participé déjà deux fois aux Jeux des Îles, sous la bannière France-Océan Indien, mais pour la Réunion. Et cette année, il a décidé de faire les Jeux des Îles. Il était un petit peu barré à la Réunion, donc il est natif de Mayotte, donc il représente Mayotte. Il est natif de Bandrélé, Daouda, et donc il est sous les couleurs Mahorès pour ses Jeux des Îles, et troisième de sa carrière. Oui, Johnny. Oui, allez-y, Pascal. Alors, un petit mot plus précis concernant ce concours du saut à la perche, avec effectivement trois réunionnais, Ruben Gado, Raj Narayanasamy et Jérémy Hubert qui concourent, et un Mauricien, Guillaume Thierry qui va effectivement tenter 4,60 m. Il n'a pas encore tenté ces 4,60 m, alors que Gado, lui, va démarrer son concours à 4,80 m. Autant dire que c'est du lourd. Pour l'instant, Jérémy Hubert a passé 4,50 m, alors que Raj Narayanasamy tentera le tout pour le tout sur son dernier saut. En attendant, on voit le podium du 1500 mètres avec le vainqueur malgache entouré de deux Mauriciens. Le podium du 1500 mètres hommes. Voilà, ça match un peu partout dans tous les coins du stade olympique maintenant, alors que se prépare en même temps le 100 mètres et la finale du 100 mètres et dames. Et l'hymne malgache pour le vainqueur du 1500 mètres.
Voilà donc l'hymne national en l'honneur du Malgache vainqueur du 1500 mètres devant deux Mauriciens. Et on retourne alors à la perche ou au concours du poids. C'est vous qui décidez, mon cher Patrick Ignarlo, réalisateur donc de cette première journée d'athlétisme. Peut-être à la perche, puisque les haies ne sont pas encore installées. Pour le troisième essai, c'est important en plus de Raj Narayana Sami à 4,50 m. Le voilà, Raj. Quatrième essai à 4,50 m, c'est ça ? Troisième essai. Troisième et dernier essai, donc ça passe ou ça casse. Allez, Raj. On rappelle son record 5,10 m, donc bon, c'est un saut qui devrait être une formalité, mais rien n'est simple à la perche. Avec encore un peu de vent dans les attention radio qui s'élance, ah, malheureusement, qui est obligé de couper son élan. Mais il va repartir au point de départ, il va repartir. Voilà, alors le drapeau jaune qui est tendu par le jury veut dire qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps pour sauter, puisqu'il a un temps imparti. Décidément. Oh là là, je ne sais pas si c'est une après-midi très très difficile pour Raj Narayana Sami. Voilà, il s'est un peu, il a planté sa perche, il a coupé son élan et c'est un zéro pointé pour Raj Narayana Sami à ce concours donc de la perche. Je crois qu'il avait un gros problème de marche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé qu'il avait sauté sur un élan vraiment réduit, hein, puisque 10 foulées c'est très peu. Et on voit toute sa détresse. Un retour au concours du poids avec la Mauricienne. La Mauricienne Bernadette Perrine. Et après coup, on demandera à Pascal de nous faire également le point sur ce concours du poids, juste après le lancer de Bernadette Perrine. C'était le sixième lancé de Bernadette Perrine. On a vu ça furtivement sur le panneau de marquage. Alors Pascal, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous faire le point ? Qui mène ce concours de poids féminin ? Vous m'entendez, Johnny ? C'est oui, parfait, oui, c'est parfait, c'est parfait. Alors pour l'instant, eh bien, c'est Gaël et Lélera qui mènent ce concours du poids avec un G, le meilleur réalisé à 13,17 m. La deuxième pour l'instant, eh bien, c'est Esther Turpin avec 12,58 m. Et la troisième, Bernadette Perrine. Bernadette Perrine qui vient de lancer à l'instant. Et son meilleur lancé a été à 12,16 m pour l'instant. Donc, alors que eh bien, Perrine a déjà lancé son sixième et dernier essai. Hein. Il reste maintenant à Esther Turpin de lancer à Debra Sevina et à Kael Elélera. Alors Esther ne sautera pas puisqu'elle est au départ du 100 mètres haies. Malheureusement, elle a dû faire un choix. Et quand on doit faire un choix en athlétisme, c'est toujours les courses qui priment sur les concours. Et c'est Gaël du coup qui lance pour son sixième essai. Ce qui veut dire qu'Esther n'aura pas de sixième essai probablement. Alors que les coureuses de la finale du 100 mètres haies se préparent ici avec, on a vu, la jeune fille en bleu qui n'est autre que, rappelez-nous, alors Esther Turpin. Esther Turpin, effectivement. Pardon, je regardais les jurys du poids. 12,31 m pour Gaël et Lélera. J'ai décidément du mal avec son nom. Et le dire Gaël. Alors la présentation de ces finalistes du 100 mètres et couloir numéro 1, la malgache Olga Razanamalala. Couloir numéro 3, Marie-Claudine Bernard pour l'île Maurice. Pour la Réunion, Turpin, Esther. Couloir numéro 4, Esther Turpin pour la Réunion. Couloir numéro 5, pour Madagascar, Prandriana Razana Joro. Madagascar, couloir numéro 5 avec Joe Randrianan Drasana. Jessica Marie, notre Mauricienne, couloir numéro 6. Pour la Réunion. Et la deuxième réunionnaise de cette finale du 100 mètres haies, c'est Lucie Turpin, deux réunionnaises donc du même nom dans cette finale du 100 mètres haies. Là aussi, ça peut aller vite. Est-ce que Esther Turpin peut être considérée comme la favorite de cette épreuve ? Ah oui, Esther a été une des meilleures cadettes et juniors françaises. Bon, après, elle revient de blessure. Et Lucie, c'est sa sœur. Pour la petite histoire, Lucie, elle vit En Nouvelle-Calédonie. Elle a fait des Jeux du Pacifique. Allez, voilà, c'est une spécialiste de Jeux des îles. Voilà, donc 6 sprinteuses pour une couronne.
Voilà, c'est parti avec un bon départ d'Esther Turpin, mais attention quand même à la malgache Razanandram. Esther Turpin là qui fournit son effort et qui va peut-être passer la dernière série de raies en premier. Les deux Turpin sont devant et victoire d'Esther Turpin. Doublé réunionnais avec Esther Turpin en première, me semble-t-il, et Lucie deuxième. Voilà, formidable image, qu'on reste sur cette belle image, ce joli doublé réunionnais, ce joli doublé Esther. Turpin, oui, c'est la maman qui doit être contente. Alors, étonnant, parce que Pascal, je vois que vous êtes avec elle. Lucie a été en tête toute la course et on a eu l'impression qu'elle n'a pas voulu battre sa sœur sur la fin. Oui, alors avec les deux championnes qui réussissent. On va juste revoir la fin de la course, Pascal, le temps qu'elles reprennent un peu leur souffle elles là. Elles reprennent leur souffle, on voit juste la fin de ce 100 mètres et avec Estelle Turpin juste devant. Donc Lucie Turpin pour un superbe doublé. Ça reste en famille, ça reste à La Réunion. La victoire donc pour... Ben on ne sait pas. Hein. Je ne sais pas si c'est Esther. Hein. On c'est pas Esther, sûr. Hein. C'est peut-être Esther ou peut-être... Parce que Lucie fait attendez, un bon... On va revoir juste une dernière fois. Donc, on va juste revoir. Mais il me semble bien que c'est Esther Turpin qui s'impose. Lucie fait on la verra pas. On le verra pas sur cette caméra-là, mais plutôt sur la caméra du côté. Mais bon, il me semble bien que c'est Esther Turpin qui s'impose. Mais allez-y quand même, mon cher Pascal. Allez-y. Oui, on y va. Très, très beau succès pour de la Réunion doublé. Des Sœurs, effectivement, pour le doublé. Alors, un petit mot, c'est, je pense, une très, très grande satisfaction. Bah oui, d'autant plus que bah, je cours avec ma sœur chérie. Du coup, c'est encore... Je suis émue. Bah, qu'on finisse toutes les deux... Bah, pour passer une compétition ensemble, déjà ça arrive pas souvent, et puis au GDZ, bah, c'est juste magnifique. Quoi. Du coup, très bonne soirée, et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, surtout, on sent l'émotion, beaucoup d'émotion. C'est une victoire que vous avez marquée d'une pierre blanche. Bah oui, et d'autant plus que j'ai eu une saison difficile, du coup, là c'est. J'ai pas de mots pour dire ce que je ressens. C'est juste extraordinaire, j'ai envie de dire. Extraordinaire aussi pour la sœur hein, qui termine deuxième au nez à la barbe des concurrentes. Ça aussi, je pense que c'est une grosse satisfaction. Oui, une grosse satisfaction. Je n'ai pas forcément le même entraînement que Esther ni le même âge. Donc, je suis vraiment contente d'être ici. Non seulement être parmi vous avec l'équipe réunionnaise, mais aussi avec ma sœur et mon frère qui va bientôt concourir. Donc, c'est vraiment exceptionnel d'avoir son frère à la fois sa petite sœur au sein du même jeu. Et je suis vraiment, vraiment contente d'être ici. Et... Dans vos rêves les plus fous, est-ce que vous auriez imaginé ce fameux doublé? Non. Non, j'ai arrêté l'athlée l'année dernière, donc non, c'était hors de question. Enfin, pas hors de question, mais c'était inimaginable. Et là, c'est vraiment un rêve concrétisé. Et même, voilà, c'est vraiment exceptionnel. Je suis vraiment contente. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la journée, et cette première journée, c'est pour les Turpins, puisque également au poids. Faites deuxième, c'est aussi une médaille pour vous. Hein. Ah bah, je la prends, je ne savais pas. Du coup, bah oui. Bah, j'avais suivi du concours demain, bah, c'est encore... Franchement, c'est une superbe journée, ça fait du bien, j'ai envie de dire. Pascal, est-ce que vous pouvez demander à Esther si elle est sûre d'avoir gagné? Parce qu'à la photo finish... Alors, il semblerait qu'il y ait la photo finish quand même par rapport à votre course. Est-ce que vous êtes sûre d'avoir passé votre sœur ou vous avez un petit doute? Franchement, j'en sais rien. J'ai déjà content de voir plus personne à côté de moi. Du coup, après, que ce soit elle ou moi, franchement... Bon, c'est sûr, elles ont gagné en tout cas. C'est La Réunion, du coup... Que ce soit vous, votre sœur, c'est La Réunion qui gagne en tout cas. Voilà, La Réunion, la famille, du coup, je sois première ou deuxième... Pour moi, c'est une très belle course. En plus, on ne s'attendait pas forcément à ça, des champions. Donc, oui, on a déjà eu la victoire. C'est une double victoire. Bravo. Bravo à toutes les deux. Bravo aux sœurs Turpin, Esther et Lucie. Donc, allez, on va dire les grands vainqueurs de la finale du 100 mètres et dames. Forcément, c'était pas forcément attendu, hein. Cette belle apothéose quand même. Ah, belle apothéose et puis franchement Johnny, Lucie a été en tête, Lucie qui est l'aînée de la famille a été en tête pratiquement toute la course. Après la 10e ES fait passer par Esther, on croit que c'est fini et sur le cassé, voilà, je pense qu'il ne va pas y avoir grand chose. Et puis du coup, une pensée pour la maman Marie-Marthe, elle doit être heureuse. Marie-Marthe, elle s'occupe des jeunes à la Ligue d'athlétisme, elle est responsable de la commission jeunes, c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Et ça doit être une immense joie. Et puis on aura Thomas dans les jours prochains sur 110 mètres haies qui devrait apporter une troisième médaille à la famille. Alors le concours du poids d'âme est également terminé. Mon cher Pascal, vous verrez si
la victoire de Gaël Elelera est confirmée. Si vous pouvez l'emmener à votre micro, eh bien ce serait parfait, parfait. On arrive presque à la fin de cette première journée de finale d'athlétisme, mon cher Luc, puisque le concours de la perche se poursuit. Le 100 mètres et dames est terminé. Bientôt va débuter le 10 000 mètres dames. Alors là aussi, il faudra en parler, puisque visiblement, sur le programme initial, normalement ce soir, c'était la finale du 10 000 mètres hommes. Et finalement, ils ont inversé. Ils ont inversé donc la course. Et ce soir, ce serait la finale du 10 000 mètres dames. Mais bon, on va voir ça dans quelques instants. Il y avait quand même pas mal de petites hésitations, même au niveau du programme de ces finales. Il est vrai que depuis hier soir, avec le retrait des Comores, eh bien, on a dû réajuster ici et là les courses, même les différents matchs de la journée. Pourquoi cette inversion, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu, en étudiant un peu les start list, on s'est aperçu qu'éventuellement le Malgache qui a remporté... ce matin, le semi-marathon pouvait également participer aux 10 km, alors aux 10 000 mètres piste, pardon. Donc du coup, le faire les deux dans la journée, c'était impossible. Donc il y a peut-être eu une demande malgache, je ne sais pas. A priori, si le 10 000 piste féminin a lieu ce soir, en tout cas, d'après nos informations, ce sera sans Anne-Cécile Delchini, la représentante réunionnaise. Ouais, c'est l'information qui nous a été fournie par Jean-Luc Prianon très tôt, en début d'après-midi. La raison principale, elle serait souffrante. Mais bon, voilà. C'est la raison officielle. Anne-Cécile Delchini, en tout cas, là, on va voir. On va demander à Patrick Nierlot de faire un gros focus sur les candidates au départ donc, de ce 10 000 mètres. Et pour l'instant, on n'en voit que 3. Oui. 3. Et pas de maillot bleu. Alors donc, au couloir, on va juste présenter, avant de rendre l'antenne, car il nous faut aller sur d'autres terrains, d'autres stades, la finale du 10 000 mètres dames avec donc la malgache Razafine Drafara, la maldivienne Shamda Ahmed et notre malgache Olivia Rabemio Tra. Voilà pour les trois candidates donc de cette finale du 10 000 mètres avec, vous l'aurez remarqué, l'athlète malgache qui va courir 10 000 mètres pieds nus. Oui, comme sa camarade sur semi-marathon ce matin. Ouais, ils sont mieux comme ça, on peut le comprendre. On a eu un réunionnais récemment qui a été champion d'Europe de triathlon par équipe en courant pieds nus, David Hauss. Il a pris le risque sur le 1800 mètres qu'il avait à faire en fin de relais de partir pieds nus pour gagner la transition. Donc c'est quelque chose qui est possible, qui est envisageable, qui est surtout autorisé par le règlement. Voilà, bon, c'est quand même triste de voir ce 10 000 mètres sans réunionnaise au départ. On va dire que j'ai un discours critique parfois, mais une nouvelle fois, ça démontre la faiblesse du demi-fond à La Réunion. Et on rappelle donc le forfait donc de Anne-Cécile Delchini, qui était la représentante de La Réunion. Alors au départ, il faut savoir que Anne-Cécile Delchini s'était positionnée sur le 5000 mètres dames. De ce fait, on l'avait également positionnée, mais c'était d'abord le 5000 mètres dames et ensuite le 10 000 mètres. Bon, elle a décliné sur le 10 000 mètres. On espère la voir sur le 5000 mètres dames. En tout cas, c'est parti au petit trot donc pour les trois finaliste de ce 10 000 mètres dames. Quoi qu'il en soit, on est sûr qu'elles auront chacune une médaille. Oui, comme en 2003 à l'île Maurice, où elles étaient trois au départ également. Il y avait une Mahoraise qui avait terminé troisième. C'était la première médaille de l'histoire des Jeux pour Mayotte. Mais c'est parti doucement. Oui, Johnny. Oui, Pascal. Oui, rapidement avec la médaille d'or du lancer du poids, Gaël Elelera. Eh bien, c'est confirmé. Elle réussit à décrocher cette fameuse médaille d'or avec un G à 13,17 m. Deuxième, comme je vous le disais, Estia Tuapin à 12,58 m. Et la troisième, je crois que c'est la Mauricienne Bernadette Perrine à 12,16 m. À côté de moi, Gaël.
on va dire, favorite. Vous l'avez confirmé après 98, les années passent, mais vous êtes toujours là. Je suis toujours présente. Bon, c'est vrai que je ne savais pas du tout mes concurrentes, mais bon, voilà, l'objectif, c'est de faire la médaille d'or aujourd'hui. Donc, je l'ai eue et je suis très satisfaite, quoi. Malgré une année quand même assez difficile. Donc, voilà, je suis très satisfaite. Très satisfaite, effectivement. Donc, ça avait commencé timidement pour la délégation rayonnaise et là, les médailles s'enchaînent. L'or sur 100 mètres haies et là, l'or également pour vous. C'est une bonne journée, on va dire. On va dire que la journée se termine bien en espérant que maintenant, les autres, ils vont nous suivre, quoi. Voilà. Bravo beaucoup, bravo, bravo. Je fais un gros coucou quand même à mes entraîneurs qui m'ont beaucoup soutenu, beaucoup encouragé, et ainsi que ma famille et mes collègues. Quoi. Allez. Bravo Gaëlle et Eléa, Johnny. Voilà Gaëlle et Eléa qu'on aurait aimé voir à l'antenne. On sait qu'elle est radieuse en ce moment, après sa belle maternité. Et elle était très contente également de ce retour au jeu, on l'a vu tout à l'heure. Gaëlle qui s'impose ici donc dans le concours du quad dame. Oui, sa quatrième médaille d'or. Est-ce qu'elle sera là pour un cinquième titre comme va le tenter Stéphane Nathilvel au disque messieurs cette semaine. Ça serait une belle histoire. En tout cas, c'est sa première médaille d'or en tant que maman, comme vous le disiez, Johnny. Merci Luc. En tout cas, ce sont sur ces images du 10 000 mètres d'âme qu'on va rendre l'antenne à Saint-Denis. Merci mon cher Luc, merci à Pascal d'avoir été de cette première journée de finale d'athlétisme ici à Saint-Paul. On rappelle en tout cas la dernière belle image qu'on a eue, eh bien, ce double réunionnais avec Esther et Lucie Turpin en finale du 100 mètres. Oui, on va se donner rendez-vous demain pour la deuxième journée des finales, si vous le voulez bien. Oh ben. En tout cas, une bonne première journée. Une bonne première journée. Le vent est tombé. J'espère que demain, il a totalement disparu pour que les athlètes soient dans les meilleures conditions possibles. Voilà, à demain donc. Merci, bonne soirée et à demain. À demain.